Je n'ai pas de temps à perdre, alors finissons-en maintenant. Je veux savoir... Tout ça, c'était bidon? C'était faux? Personne n'a jamais dit que c'était réel, Monsieur Wake. C'était pour vous faire plaisir, mais... On peut arrêter de faire semblant. Enfin, les masques tombent. Oh, je n'irai pas jusque-là. Vous ne savez même pas qui est sous votre masque. Mais vous savez bien comment vous compliquez la tâche. Toutes ces règles, ces boucles complexes et infinies que vous ne cessez de vous infliger. Vous avez une chance énorme, vous savez. Il y a tellement de gens qui vous aident. Des armées de bonnes âmes. Moi-même. Votre femme. Alice. Il faut que je la retrouve. Elle est en danger. Elle l'est. À cause de vous. Tout comme quelqu'un d'important pour moi. Quelqu'un que vous avez embarqué là-dedans. Vous passez votre temps à ouvrir des portes. Pour jeter un œil. Puis vous en servir pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce qui vous a mis en travers de mon chemin. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Me dis pas que Saga c'est sa fille. Il faut que je m'en aille maintenant. Peut-être que vous y arriverez cette fois. Oh. Tout ça a suffisamment duré. Ça a été avec Zone X une bonne distraction. Il est temps que quelqu'un ici me donne une réponse claire. La prochaine fois qu'on se verra, les circonstances seront très différentes. Et vous feriez mieux de jouer votre rôle pour me rendre à l'appareil. Ou de cesser de m'importuner, Monsieur Wake. Ouais, comme vous voudrez. Wow. Porte, Zane. Les masques finissaient par tomber. Est-ce que ça signifiait que l'issue était proche? J'avais pas de temps à perdre. Cagué lui. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller voir dans sa loge. Non? La mamie dans la neige. Quand la panique est la plus grande, l'aide est la plus proche. Porte ne semblait pas ravi de me voir cette fois. La peur du maître est la source de la sagesse. Mais ne vous laissez pas miner par le jeu. Il joue juste son rôle. Vous devriez le mettre dans vos films, Tom, comme vous m'avez mis. Oh merde alors, ce serait génial. Quel film? Oh, je suis fan de tous vos chefs-d'œuvre. Il y a Tom le poète, mon préféré. Nightless Night, c'est le plus connu de vos films, bien sûr. C'est bien vrai ce qu'on raconte. Qu'il va repasser au cinéma très bientôt. Est-ce que la rumeur a un fond de vrai? Je dois retourner dans mon appartement. Vous pouvez m'aider? Chose bien prévue, à moitié faite. À propos, vous m'avez demandé de vous rappeler de prendre les...
les... comment on appelle ce truc déjà? Vous savez, les images, les photos prises par votre femme artiste. Elles attendent dans ma boîte à chaussures au sous-sol. Et ce qu'on laisse derrière, on le retrouve devant soi. D'accord. Merci, Hati. Je me suis trompé touche, j'ai pris les médocs, les gars, genre... Ha. Ok, il est trop fort, ce mec, putain. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce titre aussi. C'est la possibilité, quoi, genre, c'est le... C'est le fait de... D'avoir plusieurs personnages qui sont attachants, dont tu retiens les noms, dont tu as envie de revoir, tu vois ce que je veux dire? Il y a des jeux où typiquement genre tu vas jouer un personnage, tu vas beaucoup aimer ce qu'il fait et le reste après tu vas passer à côté et tu t'en fous un peu. Tandis que là, là je pourrais te citer facile genre 5 noms de personnages même annexes qui donnent tous un petit peu genre... Je trouverai les photos d'Alice dans une boîte à chaussures. Donne tous un truc pour l'histoire. C'était les photos d'Alice. Je reconnaissais son style. L'une montrait le rupteur sombrant dans les ténèbres. L'autre était une lumière en forme de munition. Elles étaient importantes, même si j'ignorais encore ce que je devais en faire. Il a la tête un peu en vrac, hein, comparé à d'habitude. Ok. Ces chapitres sont bizarres par contre à Alan. C'est pas ils sont bizarres mais ils durent 3 minutes. Il est en train de sombrer dans la folie, frérot.
Pour rejoindre Parliament Tower, je devais trouver une scène de crime. Zane saurait où en trouver une. On remarque que les ennemis sont de plus en plus présents, hein. J'arrive pas à trouver d'où vient le... D'où vient l'écho ? Ah, il est là. L'ai-je choisi, L'avais-je choisi de traquer la secte ? Ou est-ce que c'était la secte qui m'avait choisi pour quelque raison obscure ? Afin que je sois le démon qui trierait les indices grâce à mes théories. Pour changer mes observations. C'était une mise en scène. Des ombres sur les parois d'une grotte. L'écho d'événements réels survenus à un autre endroit. Étais-je là pour guetter les ombres ? Ou étais-je une ombre, moi aussi ? Acteur d'un spectacle destiné à un tiers. Heureux, Dany. Je vais bientôt croire en ma pépite. La chambre de Zane, la 665, était là-haut. L'ascenseur pourrait m'y conduire. D'ailleurs... On laisse le point culminant ici là. Il y a une autre version de l'histoire. Merde. Ok. Mon instinct me disait que Zane ne serait pas ravi de me voir cette fois. C'est moi qui ai le contrôle maintenant. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous mets une balle dans la tête. C'est Grincement qui a écrit Return, pas moi! Espèce de sale menteur! Vous aviez abandonné? Vous aviez arrêté d'écrire? Vous disiez que c'était trop dangereux et puis qu'on ne méritait pas de s'en sortir. Et c'est là qu'il est apparu. Grincement, il a promis d'écrire. Il a promis de me faire sortir. Il était incroyable. Un vrai visionnaire. Je veux dire, c'était du grand art. Site. Quand
l'a pris, Return, et m'a abandonné là. Le livre est toujours là, et lui aussi. Je sais que j'ai merdé. Mais vous pouvez encore le rattraper, avant qu'il s'échappe, avant qu'il atteigne votre femme. Quand vous le retrouverez, n'hésitez pas. Tuez cet enfoiré pour ce qu'il nous a fait. Il y a une scène de crime dans mon cinéma. Celui qui diffuse mon film Nightless Night en ce moment. What? Je vous avais dit qu'il fallait rien tenter. Wow, je comprends plus rien, les gars. What the fuck? Ça, c'est du cinéma. Pardon? C'est quoi ce truc? J'avais un million de questions sur Zane. Mais j'avais des problèmes plus urgents. Mais wow, gros! Matadore! Comment il va, le Sancho? Mais je pense qu'on est tous on est tous pareils en fait. Hein. On l'attendait tous. Mais pas à ce niveau-là. Je devais trouver le cinéma, le poète cinéma. C'était la prochaine scène de crime. Zane avait fait son film en même temps que Return afin de fuir l'entre-noir. Je pense qu'il nous a tous mis une claque. Le cinéma. Hihi. Alors là, mon frérot. Est-ce que c'est dans son hôtel? Ou est-ce que c'est directement en dehors? On va voir ça. Ouais, c'est assez flippant, hein, frérot. Après, c'est très psycho, hein, en vrai. C'est un jeu de dinde. Franchement, c'est un jeu de fou, maintenant. Je distinguais les faisceaux des projecteurs du cinéma tout au bout de la place. Ah, ils m'ont bousillé tous mes trucs, fait chier.
Oh, ils sont grave énervés là. Va bientôt aussi non mon roi. J'ai pas trop de nouvelles de Soussou, j'espère qu'il va bien aussi. Impossible d'entrer. Il manquait quelque chose. La lampe a joué son rôle. Salut Alan. Ça fait du bien de voir quelqu'un de sensé. J'ignore si je le suis vraiment. Ouais. Mort de rire. Soyez très prudent, Tim. Si vous me voyez, vérifiez que c'est bien moi. Et pas un sosie diabolique. On dirait que vous n'êtes pas en forme. Je connais ça. Le temps manquant. Les aliens. Le temps manquant ? C'est ce que j'arrête pas de dire. Les rêves. Parfois, je me réveille dans un endroit différent après des jours d'absence. J'ignore totalement ce qui s'est passé, mais j'essaie de le découvrir. Les choses s'améliorent toujours quand on continue d'avancer, Alan. Minute. C'est quoi ces histoires d'aliens ? Oh, j'étais convaincu que mes problèmes étaient liés aux extraterrestres. Enlèvement, messages subliminaux, ce genre de choses. Je sais maintenant que c'était lié à Porte. Cela dit, c'est pas impossible qu'il soit un extraterrestre. Pas de trucs cachés cette fois-ci ? Ok. Des bisous ! Cult of the World. Ok.
fait un moment qu'on n'a pas trouvé de mots, hein. Pas monter aux escaliers là, aux échelles j'espère. Un homme brisé. On dit que Dieu nous a fait à son image. Tout comme nous, c'est un enfoiré cruel et sans pitié. Il a fait son paradis, mais il veut pas de nous là-haut. Parce qu'on pourrait saloper toutes les tentures blanches. Et pas question qu'il descende nous aider. Il prend son pied juste en nous observant lutter, souffrir, tuer, mourir, et merder encore et encore. Il pimente un peu les choses quand la situation est trop calme. Cette putain de ville n'existe que pour combler ses instincts de voyeur tordu. Brisé, sans espoir, sans projet, sans amour. Trop borné pour mourir. Une sorte de cafard avec un sens de l'honneur et de la justice tordu. Dans une ville où toute justice était impossible. Le cinéma semblait être fermé. Ah. Le ticket me permettrait peut-être d'y entrer. What? Le hall du cinéma était un portail vers d'autres réalités sur grand écran. Je pourrais y créer une scène. Ces types sortaient des ténèbres pour commettre des actes d'une grande violence et s'enfuir dans la nuit, laissant des scènes de crimes sanglantes et des indices au sens obscur qui ne menaient nulle part. En arrivant au cinéma, je sentis le poids d'une terrible révélation s'agiter devant moi, prête à desserrer ses crocs pour pouvoir m'avaler. Cet endroit avait un sens pour la secte. Je pouvais me servir de ça. Excusez-moi, l'équipe.
J'oubliais quelque chose. Je suis dedans les gars, genre je suis focus comme never. J'ai déjà cessé d'écrire. Je ne peux pas. Il y a trop d'enjeux. Oh la psychose! J'avais une trousse de soins sur moi? J'en ai besoin. Non? Ok. On a toujours 5 lampes, 5 piles. Let's go, transformation. Il fallait une autre version de l'histoire. Première étape vers le lieu du crime. Je progressais nettement. Quelqu'un s'était barricadé dans la pièce. Pas, j'y ai cru. Hein. Le changement n'a pas opéré sur la. Ok. Je comprends pas, il veut que je fasse le changement et... Il fallait une autre version de l'histoire. Une aujourd'hui. What the fuck?
Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Les flèches partent dans tous les sens et tout, genre je comprends rien les gars. L'équipe, je suis pas au mieux. La vérité, je... J'ai switch la scène, j'ai pas d'opportunité, quoi. Je vois pas où est-ce que je peux me faufiler. Apparemment, là, genre, il y a un truc, il y a un mec qui s'est... Il y a quelqu'un qui s'est barricadé, genre, je vois pas de... Ah, peut-être par là? Non, même pas. J'ai essayé par la porte en haut, ça fonctionne pas. On va retenter, hein. Peut-être que je sais pas, il fallait faire un truc. Non, la porte est verrouillée. Ma foi. Il fallait une autre version de l'histoire. Une où j'aurais de l'avance sur Grincement. Je peux même pas ressortir du cinéma. What the fuck? Je comprends plus rien, l'équipe. Je peux absolument rien faire. J'entends qu'il y a un écho en plus derrière. Bon les gars,
Je comprends rien. Je peux pas, gros. J'essaye de switch, ça marche pas en fait. Je peux rien faire. Il me dit. What the fuck, frérot? L'intrigue changeait les détails du monde. Il y a 4 secondes, je pouvais pas le faire, frérot. À chaque fois que je sélectionnais le truc pour le changer, il me disait il me faut un nouveau truc de l'intrigue et je pouvais rien sélectionner, frère. Truc basique, ce que je fais depuis 10 heures, tu sais. Merci, Roi. Ouais, je sais pas, c'était bizarre. Je crois que ça vous ferait du bien de cracher le morceau. Putain, j'ai perdu 5 minutes à rien me faire. Ouais. C'était une cérémonie d'initiation. Enfin, c'est ce qu'on a fait croire aux nouveaux membres. Deux beaux poulets de New York. Ils nous ont rendu des tas de services pour intégrer nos rangs. On leur avait prévu un truc spécial. Et un truc vraiment spécial pour vous, Alex Casey. Qui est votre chef? Alan Wake? Grincement? Zane? Je veux un nom! Vous ferez bientôt sa connaissance. La corruption était sans limite. Ça allait avec le genre. Alors je l'utiliserai. Urbaines autour de Thomas Zane était un puits sans fond. J'avais bien creusé. Pour les dingues du 7e art, c'était une légende du cinéma d'art et d'essai. Une star montante, venue droit de Finlande jusqu'en Amérique. Mais il n'avait tourné qu'un seul film, Tom le poète, avant de disparaître. Tout comme le personnage principal de son film, qu'il avait incarné lui-même. Le plus grand mystère concernait son film perdu, une œuvre de jeunesse faite en Finlande, Nightless Night. La rumeur disait qu'il avait des vertus mystiques. Certains disaient que c'était un snuff movie et que le crime rituel du film était un vrai meurtre. Apparemment, il n'existait plus aucune copie du film, mais la secte en cherchait comme un véritable Graal. Exactement comme les livres de Wake. Ah.
Alan Wake. Les flics avaient eu droit à leur minute de gloire avec la secte. Et ça avait été mortel. C'était les victimes du meurtre. Je devais me faufiler dans la cabine de projection. Vous suivez votre maître jusqu'aux portes de la folie. Vous êtes qu'une bande de clowns encapuchonnés avec des masques bizarres qui jouent à la société secrète. Peut-être que c'est plutôt vous qui jouez un rôle, monsieur Casey. Un rôle soigneusement taillé pour vous. Un pantin qui suit aveuglément les étapes rituelles à la gloire de la secte. Mais bordel, qu'est-ce que vous avez fumé ? Nightless Night. Un bout du film a survécu. Vous verrez, monsieur Casey, dans Nightless Night, vous comprendrez enfin. Nightless Night était le film de Zane. Il joue un rôle dans cette histoire. C'est la lumière de ma lampe. Quoi ? La lumière de la lampe surgit de l'écran et révéla une porte. What ? J'étais de retour dans le noir. La ruelle sordide, loin des yeux indiscrets, était parfaite pour l'horreur. Choqué de trouver si peu de mots de pouvoir, les gars. Vraiment, hein. Autant dans la première partie, dans les premières parties, genre, il y en avait tous les 100 mètres. Autant là, genre, ils te les donnent au compte-goutte. Pas du tout, hein. Franchement, genre dans cette seconde partie là. J'en trouve zéro, frérot. Tu le vois depuis tout à l'heure, de toute façon, hein, tu regardes. Hein. Je fais le tour, j'ai dû en trouver, je sais pas moi, 3, 4, tout au plus. J'avais peut-être raté un truc sur le plan d'intrigue.
Pourtant, j'essaye de fouiller à droite à gauche, mais ma lampe partout. Alors, on va commencer avec la secte du mont. Quelqu'un avait trouvé la mort en chutant du toit. Merde. On voit pas ce délire fou là. Ça m'a donné mal aux yeux. Pas une échelle quelque part, rien. Je sais pas si c'est un bug ou quoi ce truc là, ça donne mal à la tête. La réponse était proche. Tu penses pas qu'ils vont nous demander de nous couper en doigts ou autre chose pour cette initiation, hein? Non. On devra juste chanter un truc pour la cérémonie. Y a pas plus simple. Eh ben, c'est pas trop tôt. On le mérite bien. On a fait disparaître beaucoup de leurs problèmes. C'est qu'on en a balancé des corps pour eux. Ce qu'on a pu faire ou pas faire, c'est du passé maintenant. On va atteindre les sommets, mon vieux. Ouais, ça va être comme le paradis après la mort. Ouais, bah détrompe-toi du coup, hein. Détrompez-vous. C'est passé quoi là? Dans la ville piégée par une nuit éternelle, ils regardaient le film qui n'avait pas de nuit. La nuit était dans leur tête. Oui, d'accord. Quoique, il n'y a pas des trucs ici? Si, mais c'était le truc de base en fait, ok. Waouh, où ça nous a mené, frérot? Atteindre les sommets. Les deux flics ripoux observèrent la ville. Ah.
Ah. Wow, gros, c'est quoi tout ça? Où est-ce qu'il peut être? Il doit avoir un mot là, un mot de pouvoir. Nice. Oh, celui sur les... ok, ok. Les mots spéciaux. Vous avez trouvé un. Il y en a un deuxième ici, quoi. Est-ce qu'il faut que je change la scène pour pouvoir le percevoir? Le mot spécial là, il fait grave plaisir. On peut pas changer la scène en plus, non. Comment ça, je fais quoi, mon frérot? T'es perdu, Roxo, hein? Truc de fou, frérot, je joue à un jeu vidéo. Frère, j'avance dans le jeu. J'avance sur Alan Wake, ma bibite. Je fais quoi d'après toi? Et en même temps, je cherche des. Ah, mais t'as rien suivi, mon frérot. Ah, t'as rien suivi. Hey. C'est bien. C'est le but du jeu, en fait, de switcher entre Alan Wake et Saga Anderson, mon roi. Je... voilà, tout simplement. Ah, Alan, là, hein? Juste pour être sûr. C'est moi, Tim. Ok, il se passe rien, les gars? Ah, si. Vous avez vu Grincement, pas vrai? Mon sosie. C'est dur à dire, mais oui, il vous ressemblait. Le truc dingue, c'est que je croyais que vous étiez sorti d'ici. Vu que vous êtes là, faut croire que c'était qu'une rumeur. En tout cas, je continue l'enquête. Je cherche encore Porte. J'ai une autre théorie à son sujet. C'est quoi cette théorie? C'est énorme, alors accrochez-vous. Vous avez vos doubles, et j'arrête pas de rêver d'autres versions de moi-même, on est d'accord? Donc, je pense qu'il y a d'autres réalités au-delà de la nôtre. Mais la nôtre est connectée à toutes les autres, et c'est sans doute lié à Porte. On dirait que c'est lui la seule constante. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il mijote? Désolé. Vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Parfois, j'ai l'impression que je vais devenir dingue à force de chercher une explication. Peut-être que cette histoire est encore plus énorme qu'on l'imagine. Ou peut-être que tout ce que je dis n'est qu'un ramassis de conneries. Qui sait? Rosé. Vous savez que... alors, ils le disent eux-mêmes, etc. Mais il y a beaucoup de Matrix dans ce jeu, les gars. Il y a tellement de Matrix. J'ai compris, mais je pensais que tu avais déjà fait une partie avec Alan. Alors non, en fait, le truc, c'est que tu peux switch quand tu veux entre Alan et Saga. Sauf que j'ai tellement tryhard les parties de Saga que j'ai fini, en fait, tout l'arc narratif de Saga et maintenant, il me reste plus que celui d'Alan pour finir le jeu. Qu'est-ce que faisait mon double? Il avait un manuscrit sur lui? Je dois savoir. Il avait rien du tout. Si, si, il avait un cocktail et il fumait. Il était pas vraiment comme vous le disiez. Il était vraiment très tactile. Et il portait un pantalon en cuir. Il vous cherchait, d'ailleurs. Il m'a posé la même question sur le manuscrit. Puis il m'a demandé si j'allais à une fête costumée et s'il pouvait venir. Je lui ai dit que j'étais pas déguisé et il a filé. Faut croire qu'il aime pas les flics. Ah, c'était pas Grincement. Ah, c'était Zane.
Ça me fume. Comment il va, Rosé? Pour un survival horror, je trouve qu'il y a quand même énormément de loot, hein. Ça fait plaisir, attention, hein. Je suis pas en train de me plaindre ou quoi. Mais je m'attendais vraiment à un truc où tu trouves pas grand chose. Et en vérité, ça va, hein. Franchement, il y a pas mal de petites choses, ouais. Je vais très bien, ouais, merci beaucoup. Hein. Ça va, mon frère, ça va. Hein. Je commence à ramasser des petits items en vrai avec lui aussi. Hein. Bon alors attends, est-ce que j'ai bien fouillé la zone juste avant? Est-ce que je passais un peu à la va-vite, non? Bon lui il était là. Non en fait non. Tu lances contrôle? Bah tu m'avais dit que je savais pas kiffer contrôle mon roi. Putain c'est bien d'avoir la fibre. Et apparemment, il y aurait un autre mot de pouvoir ici. Nous, c'était les poulets là, non? Non, on y est dessus. La secte du mot. Vous avez pas intérêt à bouger. Ou je vous flingue sans hésiter. Vous me tenez, monsieur Casey. Je suis à vous. Allez-y. Posez la question qui vous obsède. Comment c'est possible? Comment ça marche? Comment j'apparais dans ce film alors que j'en ai aucun souvenir? Expliquez-moi! Vous avez vu le film? Parfait! Vous êtes donc prêt à rencontrer le grand maître. Il attend dans la cabine de projection où tout vous sera révélé, où il projettera une nouvelle réalité sur celle-ci. Allez, monsieur Casey, j'ai joué mon rôle jusqu'à la fin. Non! Non! Espèce de malade. Pourquoi est-ce qu'il a sauté, ce con? La cabine de projection. Est-ce que j'y trouverai la scène de crime? Il y a un truc à savoir. Avant que tu lances contrôle, quand même, frérot, ça peut rebuter. C'est que c'est un Metroidvania, hein. Sache-le. Tu vas devoir passer par des zones, puis tu sais que c'est bloqué, tu vas attendre de débloquer un certain pouvoir pour pouvoir revenir, pour pouvoir... frérot, genre, je vais pas te mentir, il y a des moments, moi, ça m'avait un peu rendu fou. Hein. C'est vrai, Nico? Prends soin de toi, mon frérot. Repose-toi bien. Fatigué ce soir ou quoi? Minuit? Donc, voilà, tu vois. Ouais, j'ai compris en fait, frérot. J'ai commencé à te parler, d'un coup je me suis souvenu de... Tiens, putain, ouais, c'est vrai. C'est vrai, mon gâté. C'est à toi. Ouais, je comprends, mon roi. Des bisous. Bon courage. Est-ce que si on change, il se passe quelque chose là maintenant, là? Une échelle ou quoi? Wow! Ok! Ouais, du coup, j'ai pas trouvé le deuxième, Pépita. Je sais pas où c'est. Sur ma carte.
Frérot, sur ma carte, il serait... J'en crois ma carte, il serait vers là-bas. Non. Plus vers là, du coup. Ah, ok. En fait, il y a eu un trait là, mais... Est-ce qu'il serait pas en dessous, du coup? J'aurais pas vu quand je suis passé. C'est vrai que, je vais pas te mentir, je regarde très peu la carte sur le jeu. Ouais, je regarde très peu la carte sur le jeu. Et du coup, tu sais quoi? Tu viens de m'apprendre un truc que je ne savais même pas. Tu vois, j'en ai oublié un ici. C'est qu'on a la possibilité de savoir où se trouvent, du coup, les mots de pouvoir sur la map. Truc de fou, frérot. Je ne savais pas, hein. Genre, je suis à 20 heures de jeu, je ne savais pas du tout. C'est pour te dire, tu vois, tellement je regarde pas la map. Non mais je sais que c'est le shérif qui me donne la carte quand je le rencontre. Ça c'est pas le problème, mon frérot. Ça je le sais. C'est juste que je regarde pas la map pour m'orienter déjà de 1. Et je ne savais même pas qu'ils étaient mentionnés dessus en fait. Il y avait des trucs mentionnés dessus. Merde, c'est pas celui-là. Les gars, je me rappelle plus dans quelle scène c'est... Ok. Je peux même pas remonter comme ça? Manque, bastardo. M'a touché tout à l'heure l'autre. Ça en vrai. Ah d'accord, ok, ils m'ont ouvert la porte de là-bas que je pouvais pas accéder tout à l'heure. Ok. Waouh, waouh! Ah mais frérot! Oh ils sont énervés eux!
Ah, tu mets chaud la haine, gros. Ah, mais j'ai envie de te finir maintenant là. Ah, je m'en bats les couilles, gros. Ah, ils sont trop énervés, la vérité. Il te met 6 coups de couteau d'affilée là. Bientôt plus de balles. À force de m'acharner sur ces bâtards là. Ok. On parlait de la salle de projection du coup. Cette intrigue créerait quelque chose de terrible dans la scène, mais c'est ce qu'il fallait à l'histoire. Pas que c'est une vraie porte, les gars. J'étais cerné par du matériel de cinéma. What? Je devais pouvoir rejoindre la cabine de projection. Je n'étais pas seul. Je suis là, espèce d'enfoiré. Montre-toi. Le grand maître, tu me parles. Un bouffon masqué, ouais. Ah, oh, la colorimétrie, les gars. Pfff, là. Mais moi, tout à l'heure, plutôt quoi, hier ou avant-hier, je parlais de Sin City. Genre, vraiment, on est dans Sin City, quoi. Ah, c'est un truc de fou. J'étais de retour au départ. Une boucle dans une boucle. Je devais continuer. Oh, je suis là, espèce d'enfoiré. Montre-toi. C'était qui? Qui a dit ça? Tu parles. Un bouffon masqué, ouais. C'est pas moi qui porte un masque, espèce d'abruti. Inception, les gars. Une boucle dans une boucle. Casey de l'histoire perdait les pédales. Ce sera bientôt mon tour. Waouh! Ah. J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer, progresser jusqu'au bout. Montre-toi! C'était qui? Qui a dit ça? Un joli numéro de claquette, fumier. Tu sais, je vais finir par te coincer. Le grand maître, tu me parles. Un bouffon masqué, ouais. C'est pas moi qui porte un masque, espèce d'abruti. Hein? Pourquoi tu peux pas me dire en face, mon pote? Et là, on verra qui c'est, l'abruti. Et la scène qui continue. Oh.
Salut Amo, avec plaisir ma pépite. Non, il n'est pas disponible en VR par contre. Non, non. J'imagine pas ce que ça serait un jeu comme ça. What? Attends, il y avait quelqu'un là. Fou. Imagine Alan Wake en VR à la première personne, frérot. Waouh, là, le délire. Oh, ça serait une expérience de fou, en vrai. Hein. Mais attends, la porte était là-bas, non? Non mais je suis d'accord avec toi, moi, hein. Je suis d'accord avec toi. Par contre, je ne le verrai pas à la troisième personne, tu vois. Si tu fais un jeu comme ça en VR, il faut que tu le fasses à la première personne. Et ça perdrait un peu de sens. Bref, ça serait un délire, hein. Ça serait un délire. Mais, franchement, je vais pas te mentir, pépite. Waouh, genre, je suis en kiff sur l'acteur. Vraiment, genre, le mec qui joue Alan Wake, je le trouve tellement bon, frérot. Son jeu d'acteur, là, là, il est en train de partir dans, en pleine à la folie. On perdrait un petit truc, tu vois, en ne voyant pas l'acteur. Alors, tu sais quoi, t'as la deuxième personne qui pense que... Alors, qui dit qu'il ressemble à Keanu Reeves. Il y a tous ces délires autour de Matrix, en plus, sur le jeu. Waouh. Et là, on est carrément dans un délire où on se retrouve limite en noir et blanc avec juste la couleur rouge qui est... qui prédomine là sur les scènes. On est dans une espèce de film. Oh, c'est trop trop stylé. Oh. Tu connais pas du tout Alan Wake, Amo ? J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer, progresser jusqu'au lieu du crime. C'est un jeu de fou furieux. Plus j'avance et plus je me dis franchement c'est des malades. Oh. La ferme. Et tu vas la fermer ta gueule. Ferme-la. Je vais finir. Je vous aurai tous. Bande d'enfoirés. Qui est là? Qui est ici? Vous trompez de type, hein. Je ne suis pas Alex Casey. Je l'incarne juste au cinéma. Ce n'est qu'un personnage de fiction. Sam Lake? Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas à me tuer, ni à prendre ce couteau pour me poignarder. Vous pouvez laisser tomber et faire demi-tour. Oubliez le sacrifice rituel pour ouvrir une nouvelle voie. Le sacrifice rituel pour ouvrir la voie? Hein? Non. Ne faites pas ça. Non, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse? À devenir un monstre. Laissez ce couteau qui fait froid dans le dos. Oh non. Non, non, pas ça! C'est pas vrai. Ça fait plaisir à lire en tout cas. L'histoire, elle est tellement, tellement, tellement psycho à moi. Ouais, je te conseille de décaler, pépite. Vraiment, je te conseille de décaler. Fais-toi ça dans ton coin. Et reviens me voir et tu m'en diras des nouvelles. Et au préalable, avant de partir, je te conseille de regarder un récap du premier quand même. Parce que tu vas perdre énormément sur le jeu, les personnages et sur l'intrigue. Parce que c'est une suite directe au premier.
Prends soin de toi, merci beaucoup pour le follow. Merci à moi. Avec plaisir, j'espère que ça va te plaire en tout cas. Ah, le premier il est sorti il y a 13 ans, je sais que ça peut décourager plein de personnes, c'est pour ça que je conseille un récap ou quoi, tu vois. Ah je sais, moi ça me dérange pas parce que je l'ai déjà fait plein de fois et j'aime beaucoup, mais je peux comprendre que... vous soyez nombreuses et nombreux à pas vouloir le faire 13 ans quand même les gars. Bienvenue Alex Casey, je vous félicite. Vous avez bien joué votre rôle. Tout ce qui sort de ta bouche, ça sent mauvais, c'est des mensonges. Le seul endroit où tout ça a un sens, c'est dans ton cerveau malade. En tant que personnage fictif d'une histoire, vous avez rempli votre mission. Vous m'avez ramené l'auteur de l'histoire. Vous êtes libre maintenant, Casey. Pas question que je parte d'ici sans avoir obtenu des réponses. Comment j'ai fini dans ce film? Pourquoi est-ce que tout ça m'est familier? Mais qui t'es, bordel? Mais putain, mais qui je suis? Non! Et bienvenue à vous, Alan Wake. Qu'est-ce qui se passe? Voici le rituel qui te guidera. Hein? Nous ne sommes plus qu'à un pas de votre destination finale, Monsieur Wake. Mais d'abord, voici un casse-tête sans réponse pour vous. Si Casey était fictif, et que vous avez endossé son rôle d'enquêteur, êtes-vous fictif aussi? Dans quelle histoire vivez-vous, Monsieur Wake? Les visions commençaient à m'irriter. Elles étaient trop proches à mon goût. Ce n'était pas une couche distincte, mais elles perturbaient ma réalité au sein de l'entre-noir. Mais attends, frérot... J'en peux plus de ce jeu. T'as pas fini de répondre à une question qui t'en pose 6, frère. Et déjà qu'à la base, tu perds le fil. Non. Non. Une impasse. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'en peux plus, frère. Non. Ah, les couleurs sont revenues. Qu'est-ce qui se passe? Le lieu du crime. Toutes ces pellicules. Ah! On les reconnaît, hein, Tic et Tac. Thornton et Mulligan. Mulligan. C'était la clé. Putain, on le fait dans le. On l'a pas fait dans ce sens-là avec. Avec Saga? Non? Attends, j'ai pas compris, frérot. Pourquoi on a fait Cynthia Weaver avant... C'était le contraire, non? Wow. Et le masque va des pop. C'est comme ça que je pouvais l'aider. Allez! Saga Anderson, écoutez. Grincement m'a eu. Il a écrit Return. J'ai tenté de changer l'histoire, mais il m'a arrêté avant la fin. Il l'a maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Comment ça, s'enfuir? Est-ce Grincement aussi? Je dois l'arrêter. Je dois l'arrêter avant qu'il s'échappe. Il veut tuer Alice. Je suis piégé, mais je fais des progrès. Je vous ai choisi pour être l'héroïne de l'histoire. Grincement a fait une histoire d'horreur. Je dois conserver le genre. Ça doit être sombre. Mais l'héroïne peut gagner, sauver sa famille et nous tous. Sauver sa famille. Vous êtes en train de parler de ma famille? Oui. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Malade dans l'histoire d'horreur. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop. J'étais bien plus proche. Je n'avais jamais été si proche. Mais il ne fallait pas traîner. Tout était encore vraiment incertain. Je pouvais encore tout perdre.
Par la Main Tower. Je devais y arriver cette fois. Arrêter Grincement, prendre le manuscrit, modifier sa fin. On n'a pas eu l'ombre qui nous a poursuivis cette fois-ci. Ah ouais, carrément. Ah ouais, choqué. C'était genre en mode, non, on l'a fait deux fois, on va pas le faire une troisième fois. La secte du monde. Ouais, le chapitre du cinéma... Oh, ils sont tous très 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 bons, hein. Je m'aventurai plus loin dans l'entre-noir. Le poème sur le mur s'étoffait régulièrement, fidèle à mes pas. Comme mon ombre indésirable, visible du coin de l'œil. C'était pas mes écrits. Je savais pas ce que c'était. Une terrible prophétie. Une épée de Damoclès. Salut Sam. Tu vas bien ? J'étais en train de me dire, pendant qu'il était en train de parler, là j'étais en train de me dire, mais lequel des chapitres j'aime le plus, en vrai, j'arriverai pas à savoir. Celui avec l'hôtel était excellent. Celui-ci est vraiment bon, et le petit passage en noir et blanc, gros, ça m'a... Fou. Le tout premier dans le train, et oh là là, l'ambiance était incroyable. Gros, c'est dur, hein. Je vais très très bien, merci beaucoup Sam. Et du coup alors, tu m'as dit que fallait que je me fasse une séance, mais je comprends pas en fait, frérot, genre comment je peux me faire ça? Faut que je me fasse une séance. On va comprendre certaines choses, j'imagine. Ah d'accord, ok. Je suis peut-être un peu trop près, non? Barbara Jagger. Archie. Thomas Zane. Je l'aime, ce monsieur. Attends, mais c'est la porte de... De Wake, ça? Le bureau de Wake? Mais what the f... Attends, mais c'était Zane? Ça peut aller, je te remercie Sam. J'espère que toi aussi, ma pépite. Merci. Vous vous rendez compte, les gars, que on est dans un jeu et dans le jeu on regarde un film, c'est j'en peux plus. Hein? Mais c'est censé comprendre quoi alors?
Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Putain, la fameuse musique avec Non. What? Minulla oli sinua ikävä. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden, lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. En mä kun vähän puukolla tökkäsin sitä. Tuik. Heitä, sillä oli paskat housussa. Kontta suojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja soperteli, et armo, rakkausveli, anna armo, mä kuolen. Bonsoir, Jean. Tuhlaajapojan paluu. Ja häntä kuipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksi antaa? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan, millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se aina länkytys. Uurilla ja mestarilla. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäisi sinutkin pistää. Miten on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Non. Me dis pas qu'il termine ça sur un café, gros. S'il te plaît. Non. J'en ai marre de ce type. Miksi palasit? Kun kerran lähdit? En aikonut. Mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu. Kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi, sain potkut. Pardon? Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit.
Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Me what the fuck? Les gars, j'ai du mal à comprendre qui est réellement Casey là. Genre, c'est trop troublant en fait. C'est qui réellement en fait? Moi, le gars. Mille juomme. Yöttömälle yölle. Pourquoi il est dans la pièce de l'écrivain? Est-ce que lui aussi c'est un personnage qui a été créé par Zane? Ça en a tout l'air en fait, hein. Sanotaan, että Alleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Alleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. C'est incroyable, merci infiniment pour le Prime, ma pépite, merci beaucoup. Merci Jean. Bienvenue à toi, mon roi. Non. Non.
vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Ausaavissaan! Zane sort du puits. Vihdoinkin. Kiitos. Barbara? Il est dans la salle de l'écrivain. En kierrä kehää. Tämä on spiraali. Non, les bâtards. Ils nous ont refait le coup de ce n'est pas un lac, c'est un océan de Alan Wake 1. Avec ce n'est pas une boucle, c'est une spirale. Mais en fait quoi en fait? Ils ont juste fait Alan Wake 1 comme ça genre? Ouais les gars, c'est quoi ce délire? Attends frérot. Les gars, ils nous ont refait Alan Wake 1 là. Mais avec Casey. Je comprends pas cet acte. Je veux sortir du ciné, les gars. Laissez-moi sortir du ciné, je veux sortir. Je veux sortir, les gars. Laissez-moi me casser, laissez-moi partir. Je veux partir, par pitié. Je sais même plus quelle scène il faut que je mette, les gars, je... Il faut que je reste sur le grand maître. Ah. L'alcool qu'il y a dans cette ville ne suffirait jamais à noyer les souvenirs de ce cauchemar. Mais j'essaierai quand même. Cette enquête ne serait pas bouclée. J'avais encore plus de questions qu'au début. Mais c'est ça le truc! C'est toute l'ironie d'être coincé dans un roman policier post-moderne. Je sentais qu'au mes pieds, un public invisible avait les yeux rivés sur moi. Je voulais parler à la caméra cachée pour leur dire de me lâcher. Mais où est-ce qu'il fallait que je regarde pour briser le quatrième mur? Il y aura toujours une autre enquête pour Casey. Des millions d'histoires dans cette ville sinistre. La nuit m'ouvrit ses bras pour m'accueillir. Je me serrai contre elle. Générique. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Thank you.
Jeu de fou furieux, frérot. On aura plus de réponses dans le DLC, j'en sais strictement rien. En tout cas, la mise en scène, le film et tout, oh, c'était stylé. Je sais pas combien de temps ça a duré. 10-15 minutes, non, facile. Télévision, part 1. Merde, les gars, genre, je peux pas sortir. Je me rappelle plus quelle était l'intrigue. On peut pas juste tout enlever en fait. Laissez-moi sortir les gars. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire ce jeu parce qu'ils ont peur qu'il fasse trop peur. Et si je peux vous dire un truc, vraiment, je suis une grosse caguette. J'avoue. J'ai des moments où je flippe beaucoup, mais ça reste des jumpscares ou ce genre de choses. C'est très psycho. Le téléphone sonnait encore. Bizarrement, je sus que ce n'était pas Zayn. Je suis quelqu'un qui déteste vraiment genre les jeux d'horreur. Je l'ai fait pour vous faire plaisir et je me chie dessus pendant 5-6 heures le temps du jeu. Mais celui-ci, il a un goût, les gars, il a un truc très particulier. Et en vérité, j'étais en train de me dire, les gars, genre, ça serait trop bien d'avoir des livres d'Alan Wake. Je sais même pas si ça existe. Bon, par exemple, tu me sors ce jeu en livre, je le dévore, tu vois. Après, tu perdrais le côté interactif et tout, tcha, mais ça serait stylé. Là, vous pouvez y aller, les gars. Après, il faut, ouais, allô, faut s'accrocher. Allô. Non. C'était pas Zayn. Et pas Grincement non plus. Hein? Vous êtes moi? Moi? Je comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je pige pas. L'entre-noir est composé de boucles. Le temps est une histoire. Je vous appelle depuis un autre point de cette histoire. Quoi ? Quoi, du futur ? Je sortirai jamais d'ici, pas vrai ? Si, bien sûr. Et non, bien sûr. Mais c'est votre propre choix. Ça veut dire quoi ? Je suis désolé de ce que vous allez subir. Hein ? Les photos d'Alice trouvées dans la boîte à chaussures dans le sous-sol de l'émission. Pour pouvoir aller à Parliament Tower, vous devez les mettre dans la boîte à chaussures près de sa statue sur la place. Pour vous aider, pour aider Alice, pour aider Saga Anderson. Je suis mon propre Deus Ex Machina. Vraiment ? Moi qui m'appelle du futur pour me... Ah non, c'est trop. Non, arrêtez les gars. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Combien d'écrivains faut-il pour boucler une histoire ? Un pour chaque brouillon. C'est le même écrivain, mais à divers moments de sa vie. Je suivrai les étapes qu'il avait créées pour moi. Une photo d'Alice dans le sous-sol du site de l'émission. Hattie m'avait mené là. Je mettrai les photos dans la boîte à chaussures près de la statue. Je détenais les photos. Je devais les mettre dans la boîte à chaussures près de la statue. Mais attends. Il nous a dit de mettre ça ? Et il nous a dit qu'il était désolé pour ce qui allait arriver aussi, hein. Comment ça, t'es désolé, frérot? T'es désolé de quoi? Qu'est-ce qu'il va me faire? Pas serein, les gars. Est-ce que vous pensez qu'il y a Archie encore? Non, la porte est fermée. Bien sûr, la porte est fermée.
C'est pas par là. Entrer dans le parle. Ah oui, merde, d'accord, ok, autant pour moi. Autant pour moi, pépite. Heureusement qu'il est là quand même. Hein. Heureusement que Danny nous guide, ou sinon, frérot, moi je partirais dans des bails. Il faut aller à Parliament Tower et il faut poser le truc dans la pièce justement de... Ok. En fait j'ai fait ça juste pour faire fuir les ombres. C'est fermé. La statue. L'immeuble était condamné. Elle est là la statue. Quelque chose clochait. Il manquait un truc. Je devais y entrer. Oh la musique. À l'ancienne, frérot. Ces petites notes de piano. On dirait le Continental. Allez. Oh oh. Pas bon si... Attends, il s'est passé des trucs là. J'étais venu ici de nombreuses fois. J'avais cessé de les compter. C'était différent. C'était ma dernière chance. Si ce n'était pas déjà trop tard. Je le sens mal, les gars, je le sens mal, je le sens mal. Attention au jumpscare. Hein, on le sait. Hein ? Tu entends ? Est-ce que tu entends ? Le bâtard! C'était trop tard. Grincement était là, écrivant son histoire d'horreur. Je pouvais encore l'arrêter. Il fallait que je puisse entrer. T'es pas prêt, crois-moi. Mais non, mais comment ça, la porte est vide, gros. Ah mais gros, genre il fait des bruits, la con de sa race. Dont je ne peux pas sortir. Je pensais que j'arriverais à retenir Alan dans mes photos, mais je peux pas. Le monstre réapparaît en permanence, toutes les nuits, comme les vagues qui reviennent sur le rivage. Je suis si fatiguée. Il est là constamment maintenant. Il y a tellement de rage au fond de lui, je peux plus le supporter. Oh, j'ai vraiment essayé. Mais je peux plus. J'en peux plus. «
J'ai pris ma décision. La plupart d'entre vous ne comprendront pas. Il paraît que je suis une artiste. Mais tout ça ne m'intéresse pas. Je voulais juste montrer au monde ce que je vois. Je ne peux pas continuer comme avant. J'ai besoin de changer de perspective. De passer de photographe à sujet. De l'artiste à l'art. Non. Mais c'est Barbara? Ah non, c'est elle? Mais qu'est-ce qu'elle... C'est elle en train de se suicider? Mais attends, frérot, mais c'est quoi ce délire? Grincement l'avait torturée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter, jusqu'à ce qu'elle craque. Pendant tout ce temps, elle a cru qu'il était moi. Grincement était toujours là. Il n'avait pas encore fui l'entre-noir. Il effaçait mes changements dans Return. J'avais déjà vu ça. C'était pas grincement. C'était moi. J'étais pris dans une boucle. Quoi ? Je m'étais empêché moi-même de modifier le manuscrit. C'était moi qui hantais Alice. Ça l'avait toujours été. Quoi ? Je l'ai tué. Qui te guidera. Tes amis le découvriront quand tu ne seras plus là. Attendez les gars là. Je comprends pas. Mais comment ça en fait, c'est lui qui s'est infligé ça depuis tout le début? Mais grincement dans toute cette histoire en fait. De l'entre-noir avec la chanson et l'érupteur. Mais il n'est pas arrivé ici. Il a fini sur la rive après que j'ai affronté Nightingale dans l'amalgame. Quoi ? Hé !
Est-ce que ça va? Ah, non! C'est ma faute! Il est sorti! Il a ma tête! Heureusement! La nuit où j'ai trouvé Wake ici, il est apparu. Grâce à ça, l'invocation. C'était Wake. Grassman se faisait pas passer pour Wake. C'est la même personne. Grassman, il est là! Fais gaffe, Anderson! Estevez, Grassman, c'est Wake. Il est possédé par l'ombre noire. Il veut le rupteur. Changement de plan. Je vais l'attirer dans l'unité. Quand on sera dedans, verrouillez-la et éclairez-la plein. Je suis censé faire quoi là? Lâche, lâche! Allez pas t'en prendre ou Anderson, démon! Défonce-le, ta gare! Attends, attends, mon gâté, attends. Wow! Bagarre! On va te buter! Quoi, je peux rien faire avec ça? On a plus de jus. Il est libre. Putain, c'était pas ça là! Je dois tourner l'élan. Donne-lui une leçon! Et on perd ça! Les guerriers! C'est pas pour toi, Esteban! Casse-toi.
Désolé d'annoncer la mauvaise nouvelle, les amis, mais c'est officiel. La fête du cerf est annulée. Aujourd'hui, Bright Falls est un peu plus sombre que d'habitude. Saga. Tom, on doit rejoindre notre prochain concert. On fait tout ça pour toi et notre saga chérie. Occupe-toi des choses de ce côté. Et merde pas, Tom. J'avais déjà tout vu. Comme un film d'horreur qu'on m'avait imposé. L'ombre noire avait toutes les cartes en main. Les gars, c'est un délire. Bienvenue, Wake. Vous êtes bien Wake, hein? L'ombre vous a quitté. C'est une bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est que j'ai pas vu de situation aussi pourrie depuis le AM à Eagle River. L'ombre est maintenant dans Alex. Et Anderson n'est plus là. Il faut qu'on trouve un moyen d'arranger ça. Je ferai tout mon possible pour réparer ça, agent Estevez. Tout ce qui se passe est à cause de moi. C'est jamais aussi simple. Mais j'aurais dû vous mettre dans une caisse et vous envoyer dans un centre d'isolement à la seconde où je vous ai aperçu. Je n'ai qu'une question pour vous. Est-ce que vous pouvez arranger ça? J'essaierai. Pas très encourageant, mais ça fera l'affaire. Grincement, l'ombre noire qui possède Cassie a jeté Saga dans le lac. Si elle finit dans l'entre-noir, elle risque bien d'y rester. Il m'a fallu 13 ans pour en sortir. Zen y est encore. Thor et Odin l'y ont suivi, non? Ils la sauveront peut-être. Grâce au pouvoir du rock'n'roll. Je les ai vus quand j'étais là-bas. Ils ont joué dans mon spectacle. Je me sens soudain beaucoup moins optimiste. Oh, le délire. Il a envoyé Saga dans l'entre-noir, les gars. Et Thor et Odin sont partis la chercher. Non, mais c'est quoi ce délire? Quelle est la situation? Je n'ai jamais vu une entité casser une de nos unités de détention comme ça. Et maintenant, l'ombre noire a pris possession de l'agent Cassie. Quand elle l'a attaqué dans les bois, elle devait savoir ce qui allait se passer. Et maintenant, il a le rupteur. Grincement va aller à Bright Falls et utiliser le rupteur pour appliquer la fin horrible qu'il a écrite pour Return. Mais je peux changer ça. Comment? Il doit avoir le manuscrit. Si j'arrive à lire la fin, je peux la réécrire. Il faut que je retrouve Grincement. Eh bien, vous n'irez pas bien loin sans ces trucs. Ce plan est un vrai coup de poker, Wake. J'aimerais vous aider, mais tout dépend de vous. Je vous ai apporté toutes les armes qui étaient disponibles. Vous avez pas intérêt à merder. Il fallait une voiture. Le véhicule du FBI devait être sur le parking. Attends, c'est tout ce que tu me laisses, là? Genre là, pour de vrai, tu me laisses que ça, là? Merci beaucoup. J'étais à nouveau réveillé. J'avais l'esprit clair pour la première fois depuis longtemps. J'étais à l'endroit d'où j'étais parti.
dans une forêt sombre près de Bright Falls. Une arme à la main, une lampe torche dans l'autre, hanté par mes propres écrits. Alice avait disparu. Je savais ce que je devais faire, empêcher l'histoire d'horreur de s'accomplir. Arrêter l'ombre noire. Ouais, d'accord, ok. Attends, frérot, genre, c'est pas le début du jeu, là? Où on débarque avec Nightingale? Sur le même plan, comme ça? Pas de bruit, rien du tout, oh là là. Jamais dans le lac. Les oiseaux le contournent. Ben trop bien, j'ai plus de balles. Trois balles les gars. Ok, on va y aller doucement. Je rappelle que à la base on est un écrivain les gars. Du moins. À la base, on est un écrivain. On a été créé par un écrivain. T'imagines quand même le bail du jeu, frérot. Un écrivain qui a été créé par un écrivain. À son tour bloqué dans l'entre-noir. Il est toujours pas sorti, gros. Il est toujours pas sorti, ce fada. Oula, ce que tu vas prendre. Les ombres se dissipèrent. J'étais tout seul. Pour l'instant. Sans munitions. Oh la blague.
Dans l'entre-noir, l'ombre noire est entrée en moi. Quand je me suis retrouvé ici, la traversée l'a affaibli, ça l'a fait taire. Je n'avais aucun souvenir des événements. Mais je sentais qu'elle devenait plus forte. Elle s'éveillait. Je croyais qu'elle me traquait, qu'elle approchait. Tout ce temps-là, elle était en moi, puis elle a pris le dessus. Et fait de moi Monsieur Grincement. C'est fou quand même, hein. Putain, Saga, les gars, Saga. Je devais me rendre à Bright Falls, mais... Saga est parti dans l'entre-noir, les gars. Non, là, par contre, c'est chaud, hein. J'avais fait venir Saga Anderson dans cette histoire pour m'aider à fuir. Elle l'a fait. Oui, Sam. Et elle a tout perdu. J'avais utilisé Alex Casey dans des romans. Le vrai Casey était venu ici à cause de ça. Lui aussi était une victime. Saga, Casey, Alice, c'est moi qui donne vie à toute cette horreur. C'est de ma faute. Il fallait arrêter Grincement. J'avais déjà suivi cette route. Je la suivais depuis toujours. Si Grincement avait amené l'entre-noir ici, ça m'enverrait à l'intérieur. En 2010, j'avais plongé, comme aveuglé, pour Alice. Je n'avais pas imaginé que ce cauchemar serait bien pire que la mort. Il m'avait fallu 13 ans pour en sortir. Alice était morte, à cause de moi. J'étais sur le point de refaire le grand plongeon, mais cette fois, j'en connaissais le prix. Oh, les gars! Disons ça autrement. L'entre-noir m'avait accompagné. Je n'étais jamais sorti. Peut-être qu'après ça, ce serait possible. L'espoir était mince. Mais je n'avais pas le choix, je devais le faire. Mais ça ne m'empêchait pas d'être terrifié. Eh merde! Je ne m'attendais pas à ça. Regarde-le avec sa lampe comme ça, calée sur la hanche. Alan Wake est vraiment le meilleur conteur de cette génération. Non mais c'est Ed et Tammy. La scène de la fête du cerf. Très attendu dernier roman de l'auteur Alan Wake, Return. Return est imprimé sur du papier non bouché de grande qualité, ce qui en fait un vrai plaisir pour les doigts à chaque changement de page. Le génie d'Alan Wake nous saute directement aux yeux quand on regarde la couverture de son livre. Cette couverture a été réalisée avec un glaçage premium et un laminage brillant, à la fois élégant et doux au toucher. Est-ce que je n'ai pas raison?
meilleur quatrième de couverture et la plus percutante que j'ai jamais lue de toute ma vie. Ce résumé est vraiment fascinant et il vous tiendra en haleine de la première à la toute dernière ligne. Il s'accompagne d'une très jolie photo de la maison d'Alan Wake située ici à Bright Falls. Ce livre pèse environ 600 grammes. Return est un immense chef-d'œuvre. Je lui donne donc le score parfait de 5 Gerarma sur 5. Mais non! Ah ah ah! 5 Gerarma sur 5, gros! Ah, mais lui, il est fêlé! C'est tout pour aujourd'hui. Alan Wake, tu as encore frappé. C'était le club de lecture des frères Koskela. Santé. Don't touch. Puis il y a Rose. Ouais, il y a Rose. Hein. Faut que j'arrive. Mais attends, du coup. Non, c'est pas Rose. Non, ce n'est pas Rose. Les toilettes, les gars, on peut pas y aller comme dans le. Ah ! Ok, j'ai vu que l'objectif c'était obtenir un exemplaire de Return. Il me fallait un exemplaire de Return. Je devais lire sa fin pour avoir une chance de la modifier. J'étais dans la fin de Grincement, une version pervertie du monde réel, les habitants corrompus. On aurait dit que tout tournait autour de Return, s'il venait d'être publié. Elle offrait méchante l'histoire. L'histoire tragique de Saga, qui perd sa famille, est une allégorie des femmes qui luttent pour maintenir l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Tu es la grande conclusion de la trilogie à la fête du cerf. Oh, cela fait de Return un habile mélange de réalité et de fiction. Vous voici signer pour vivre à la maison de retraite, Malala. Les pensionnaires sont tous tellement désopinants. Il est là, le frérot. On voyait sur la photo les fenêtres de la pièce de l'écrivain. C'est là que je devais aller, pour réécrire la fin de Return. C'est une histoire horrible. Gâté là, je veux bien, tu vois. Je viens juste à peine de commencer à courir, frérot. Genre, je commence. Ça a même pas duré. J'ai même pas eu le temps de faire un petit coup de. Non, non. Je vais passer de ce côté-là, du coup. Je pourrais sortir par l'arrière. Le papier l'a failli me toucher, hein. J'avais enfin le livre. Je pouvais écrire ma fin de Return. Je devais aller dans la pièce de l'écrivain pour arrêter l'histoire d'horreur. C'était un cauchemar obsessionnel et égoïste. Tout ceci tournait autour d'un écrivain pédant et monstrueux, et de sa dernière œuvre d'art divine, le roman Return devenu vrai. Ça ne s'arrêterait pas là. Ça s'étendrait encore. Mais je comprends pas, on est où là ? On est dans la maison de retraite ? C'est vrai, c'est vrai! Il le disait, Archie! Faut attendre le dénouement final. Oh, what the fuck? Eh, évidemment! Eh, on peut pas rentrer normal. Non, 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 non!
Me fais pas passer par le sous-sol, hein, s'il te plaît. Hein. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ou pas? Je devais trouver un autre moyen d'entrer. Ou pas? Ok, c'est fermé là, ici aussi? Ah non, me dis pas qu'il faut que je rentre par le sous-sol, s'il te plaît. J'ai pas d'armes, j'ai... Oh, c'est bouillé. Non, c'est pas là. C'est pas là, regarde, ça va pas marcher. Non, c'est pas là non plus. Hein? C'était quoi? Alice était morte. Était-ce un piège? Où était-ce Monsieur Grincement? Et si elle était pas morte? Oh non, ils nous font passer par ça, par ici. Oh. Fuck. Oh putain. Au pays des merveilles. Alice, ça glisse alors. Oh, on nous l'avait déjà faite celle-là. Pas de sauvegarde, très bien. On va terminer ça. Putain de merde! Oh non, je suis mort. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule, ouais. Où il est? Elle est là! Mais il est très obstiné. Rose, c'est ça? Du restaurant? Que faites-vous là? Je suis là pour vous sauver, idiot. J'ai eu vos instructions. J'ai trouvé tous les messages que vous m'avez laissés. À la radio, dans le vent, sur les forums de mon site de fan d'Alan Wake. Quoi? Non, Rose, je vous ai laissé absolument aucun message. Je comprends. Oui, Alan, il faudrait que je sois cinglé pour penser que vous me laissez des messages secrets. Wow. Bien sûr. Mais vous devez vraiment venir à l'étage, Alan. Cette histoire s'écrira pas toute seule, vous savez. Quoi qu'en dise William Shakespeare. Oui. Merci, Rose. Je vais faire de mon mieux. Là-haut. La pièce de l'écrivain devait être au grenier. C'est là qu'étaient les fenêtres. En tournant Beauclé, on se retrouve, Tom. J'ai déjà bien tout préparé pour les visiteurs. Je vais bientôt nettoyer le sol de votre chambre. Il faut seulement de l'eau. Et une serpillière. L'eau est le baume le plus ancien. L'eau trouve son chemin. Ce qu'elle nous apporte, elle nous le reprend. Elle peut être propre ou salie. Elle donne la vie ou la noie. Ati, je pensais pas vous croiser ici, mais c'est logique. Vous pouvez m'aider à retrouver mon chemin? Une dernière fois? Je crois qu'il y a un démon dans le piège à poisson. N'ayez pas peur au point que la merde commence à envahir votre caleçon. Eh bien, je vais maintenant vous ouvrir la porte.
Et voilà. La question est le steak. Le steak ? Maintenant, nous arrivons à la fin de la cantine. Merci, Adi. Comment ça, le steak ? Qu'est-ce qu'il dit, frère ? Je veux dire, voilà. J'y étais. Je devais rédiger la fin. Je n'avais qu'une seule chance d'y parvenir. Il me fallait une fin qui prenait tout ce qui était déjà dans Return et la développait en une conclusion qui nous sauverait tous. Seule une fin parfaite serait acceptable. La fin de Return était une fête du cerf perpétuel qui se propagerait. Avec le temps, Grincement plongerait le monde dans son cauchemar. Je devais empêcher que ça arrive. Je devais écrire un autre chapitre pour Return. Une fin parfaite qui nous sauverait tous. J'étais le seul à pouvoir l'écrire. Tout le reste dépendait de ça. De moi. D'une seconde à l'autre, Grincement ferait irruption par cette porte pour m'arrêter. Toutes les intrigues flottaient dans ma tête. Tout sembla soudain impossible. Une chose bougea dans la pièce. Elle venait vers moi. Une idée. Dans une histoire d'horreur, il y a des victimes et des monstres. Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. S'il y a un héros, il doit en général payer le prix fort. Je laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ils se sont fait entraîner là-dedans. Il faut qu'ils survivent. C'est non négociable. Il n'y a pas qu'eux. Il faut tenter de sauver tout le monde. Dans tous les cas, la fin devrait être sombre. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros paiera le prix fort. L'équilibre doit toujours être fait. Non, pas encore une fois, s'il vous plaît. Cette fois, c'était différent. Je ne m'étais jamais vu dans une vision jusque-là. Mais ça collait. Saga et moi étions tous les deux au centre de l'intrigue. C'était maintenant ma co-autrice. C'était le commencement de la fin. Nous étions les héros d'une histoire horrifique et nous foncions tête baissée vers la fin. Nous n'avions toujours pas tout ce qu'il nous fallait. Ça ne fonctionnerait pas sans le rupteur. Saga ? Saga ! Putain de merde. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le bureau de terrain ? C'est l'entremental. Rien ne fonctionne. Je suis paumée. Mon travail, tout a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe, merde ? Pourquoi je suis coincée ? L'ombre noire s'est emparée de Casey. Elle m'a volé le rupteur. La dernière chose dont je me souviens, c'est lui me poussant dans Cauldron Lake. Je suis dans l'entre-noir. Perdue. Je sais pas comment sortir. Je sais pas quoi faire. C'était pas moi. Pas vrai ? Wow, quoi ? Putain de... J'ai lâché qui ? Le tableau d'enquête déraille ?
What? What? Attends, il a placé tous les trucs tout seul. Non! Non! Ils ont osé faire ça! Oh putain! Non! Les gars, c'est trop! Ils ont fait un graissement version saga? Il est écrit, je les ai lâchés. Lâchés qui? Je les ai abandonnés! Logan, Jessie, moi-même! Tout ça, c'est ma faute. Mon enfant est mort. Un monstre a pris possession de mon partenaire. Je suis piégée dans l'entre. Non, je suis pas si faible. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis pas comme ça. Oh. Holy shit! Casey! Casey comptait sur moi et pourtant, je l'ai lâché. J'ai pas veillé sur lui. Je me suis lancée sur la mauvaise piste. Il avait besoin de moi. Et maintenant, c'est devenu un monstre. Il avait besoin de moi. Logan, j'ai préféré mon travail à ma famille. J'étais trop passionnée par mes enquêtes et par le mystère. J'aimais le danger dans mon boulot. Et voilà que le danger a détruit toute ma famille. Et as-tu ma famille? Non! Ah ma pépite, toi qui voulais pas te spoil, oh, franchement aujourd'hui ça fait 6 fois que tu viens sur le live, tu dis frérot j'ai pas envie de me spoil, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Roxo, j'ai l'impression que en plus ce jeu il est strange de fou, j'ai l'impression que je suis matrixé frère. T'es sûr que t'es le même Roxo qui vient en boucle là? Je suis full paumé, je sais pas quoi faire. Frérot, c'est déjà très bizarre ce qui se passe en live. Fais pas des actions comme ça, frère. J'ai une mère horrible. J'ai laissé mourir ma fille. Salut Azog. Waouh. Je suis une ratée. Et je l'ai bien méritée. Rince-moi un peu Casey, et c'est de ma putain de faute. Wake. Ma vie, ma famille font juste partie d'un livre. Encore un putain de bébé qui décide de ce que je dois faire et comment je dois le faire. Il m'a même volé mon enfant. Je serai jamais libéré de cette histoire. Il s'est servi d'elle. Elle est pas morte. Oh putain de merde. Non. Non les gars. C'est trop. L'image qui s'assombrit de plus en plus. Non. Oh, j'en ai assez. Ça arrête jamais de revenir. Il y a vraiment quelque chose de pas net ici. Oh, Nightspring. Il fait noir ici. Zone X. Logan et David aiment cette série. Leur rituel de la semaine. J'aurais jamais dû me fier à ça. Il se faisait envahir et moi, j'ai rien fait. Eh oui. On l'avait remarqué, les gars. On l'avait remarqué.
faisais semblant de t'en soucier quand ça t'arrangeait, et dès qu'il est devenu un boulet, tu as laissé Grassement s'emparer de lui. Voilà, la page qui tremble et tout. Grassement était Wake. Comment j'ai pu louper ça? Oh shit. Mon profilage, j'ai rien. Cette affaire. Cette pièce. Est-ce qu'elles sont réelles au moins? Cassie a été blessée. J'aurais dû être là pour le protéger. Mais c'est quoi ce délire? Ça n'était qu'une hallucination. Qu'est-ce qui se passe? À tout à l'heure, Rixo. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qui était grincement. J'ai perdu la tête. Ah, j'avais pas vu en haut. Non. Quoi? Ah non, ça y était pas. J'ai utilisé la page du manuscrit comme béquille au lieu de faire mon travail. Qu'est-ce que c'est? Ouais, qui était grincement depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. Coincé dans une chambre d'écho avec mes peurs, mes... et mes incertitudes. Quoi? Non. Tu les as enlevés à David et tu l'as emmené dans un trou paumé. Oh. Wow, et la pièce elle change au fur et à mesure. C'était évident que les frères Koskela dirigeaient la secte. La secte n'a été que le début de la spirale. J'en ai ras-le-bol des illuminés. J'aurais jamais dû laisser Casey tout seul dans cet hôtel. Logan. L'histoire d'horreur s'est servie d'elle. J'ai passé trop de temps éloigné de Logan. Ah non. Sérieux? Tu n'as pas supporté ce qui s'est passé, alors tu as craqué. Logan était tout seul. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle a passé son temps seule dans ce mobilhome. J'ai abandonné mon partenaire pour enquêter seul. C'est pas vrai. Tu as voulu tellement prendre les rênes que tu l'as abandonné. Ah, je l'aurais mis ici. Oh, ça me plaît pas. Mais tout est vrai. J'avais mis toutes ces pensées de côté pour bosser sur l'enquête. Mais je peux plus les ignorer. Je me noie. Je dois m'échapper avant de sombrer. Grincement va de corps en corps. En fait, Grincement... comment expliquer ça? Il n'existe pas, en fait, Sam. Grincement est juste une version diabolique de chaque personne une fois que l'ombre noire est entrée en elle. Tout simplement. Donc, depuis le début, en fait, comme le dit Alan, Grincement n'a jamais existé. C'est juste quand l'ombre noire est rentrée en lui... Au bout d'un moment, il est devenu cette personne-là, en fait, tu vois. Et c'est ce qui est arrivé à Cassie. Au début, tout était normal et tout, et petit à petit, en fait, quand l'ombre noire est rentrée en elle, du coup, en lui, pardon...
forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. Rien de tout ça n'est vrai. Je suis dingue. Je suis même pas là. Il n'y a pas d'autre mental. Enquête sur des ténèbres naturelles. Je suis en plein milieu psychotique. J'ai traîné Logan dans un clavier à lapin ou à Terry. Elle est morte à cause de moi. Exactement, Sam. Il y a forcément une issue. C'est une entité diabolique, en fait. C'est ça, c'est ça. Qui s'appelle l'ombre noire. Qui rentre, on va dire, dans le corps des gens et qui fait ressortir les peurs, les doutes. Tu le vois, là, avec, avec Saga. Hein. Il fait ressortir le pire de ta personnalité, en fait, pour te faire péter les plans. J'ai besoin d'une issue. Inutile de lutter. Tout est terminé. Tu vois, elle se bat contre elle depuis tout à l'heure. Y a contre elle-même. Il n'y a aucune solution, aucune sortie. Je suis piégée ici pour toujours avec mon passé, mes remords, mes erreurs. Imagine Alan Wake, qu'il a passé 13 ans ici, frérot. Je ne peux pas sortir d'ici. Je suis coincée. Mais c'est mon entremental. Mon esprit. J'ai tout ce qu'il me faut ici. J'en suis certaine. Le mec, il a passé 13 ans... dans l'entre... dans l'entre-noir. La lumière. Non. Non. J'abandonnerai pas. L'entremental a changé. C'est bizarre. Non. Je refuse d'en lire davantage. Je suis flattée par cette récompense. Merci. Certificat de mérite de l'agent décerné à Saga Anderson. Continuer de s'améliorer. Notre travail ici, la protection des communautés, la quête de la vérité, sont plus importantes que tout le reste. Même tu vois, on parlait de Matrix jusqu'au nom de famille des gens et tout. Mr. Anderson. Grincement était trop fort pour nous. J'aurais dû t'appeler ici de rester à l'écart. L'alcool. Arrête de t'en vouloir, Anderson. Un couteau dans le bras, c'est les risques du métier. Si tu veux en faire ton faire drame, je préfère que tu t'en ailles. Mais laisse-moi le whisky. Salut maman. J'ai vu ça en ligne et ça m'a fait penser à toi. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Pas la peine d'en faire tout un plat, maman. Non, pas de câlin. Pas de câlin. Mon insigne. J'aurais jamais dû prendre cette affaire. Hé, maman. Je t'ai fabriqué un bracelet porte-bonheur. Je me suis fabriqué même. Alors rapporte-moi une breloque de Washington pour la mettre dessus. D'accord? Anderson, look, after Miranda left, it was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really, meant a lot. Thank you. Ouais, c'est le seul truc négatif que j'ai à dire pour l'instant sur le jeu, là, vraiment, c'est ce friendglish. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu les dialogues en anglais comme ça. Je
Salut. J'appelle juste pour te dire merci. Parfois je passe trop de temps à rêver, alors... Merci de me réveiller. T'es vraiment la meilleure. Je le pense. Ok. À plus. Comment elle essaye de se remotiver, c'est beau. On a fait un peu tout le tour de la pièce là, je pense. Il n'y aurait pas un autre qui traîne par ici. On va positionner tout ça pour essayer de se remotiver un peu, je pense. Ok, on a fait le tour. On en a pas mal, hein. Par contre, on peut les glisser nulle part, là? Non. Tout ça est réel. J'en suis sûr. On est complet. Le FBI va me renvoyer. Et j'aurai plus rien. What? C'est pas vrai! What? Ok. Il est en train de changer les trucs. Cassie me fait confiance. J'en suis certaine. Je vais encore le lâcher. Non. Logan n'est pas un élément d'intrigue. C'est ma fille. Et elle n'est pas morte. Morte? Elle est morte! Je l'ai pas sauvée. Oh putain! Non! Il n'était jamais là, il y avait toujours plus de travail, plus d'affaires que tu jugeais importantes. Il est pas trop tard. Je peux encore les sauver. Quoi que je fasse, ça fera souffrir les gens. Je sais pas quoi faire. J'ai peur. Mon pire ennemi, c'est moi. Les peurs qui m'habitent m'empêchent de faire quoi que ce soit. Elles m'empêchent de partir. Le premier était excellent, vraiment, et pour un titre qui a été fait il y a 13 ans en arrière, franchement, genre, c'était fou au niveau de la trame scénaristique, etc. Genre, il avait un truc bien à lui, en fait, et on avait plus vu de jeux comme ça depuis tant d'années, et la suite, c'est... c'est tout fois 1000, en fait. C'est incroyable. Vraiment, je pèse mes mots, frérot, je suis en train de passer un moment vraiment de fou. Je pense que je m'en souviendrai longtemps. Et ce jeu est dingue. Ce jeu est vraiment dingue, pépite. Mais encore une fois, il faut apprécier ce que le jeu a à t'offrir, tu vois. Il faut apprécier déjà le produit initial, ce délire de Condon Lake, de, tu vois, genre un petit peu mystique, cette histoire policière, etc. Notre boulot est dangereux. Si tu arrives à rentrer dedans, en gros, c'est fou. Hein. Ce n'est pas de ma faute. J'ai l'impression d'être dans un... Ma faute. Dans un film. J'y arriverai pas. Ouais, j'ai l'impression que je suis dans un putain de truc. On est dans un trou détective, gros. C'est normal d'avoir peur. Mais ça peut pas finir comme ça. Je peux pas. Non. Je veux que ça s'arrête. Baisser les bras n'arrangera rien du tout. Logan compte sur moi. Cassie compte sur moi. Attends, je comprends pas. Pourquoi je peux pas la glisser? Truc de fou, frérot. J'ai fait des erreurs. Et j'en ferai d'autres. Mais je peux me rattraper. En commençant par quitter cette pièce. J'ai très peur. Ça va faire mal. Mais ce sera bien pire si je sais pas de les sauver. Ça va faire mal. Mais je vais me battre. Oui, tout ce côté entre mental.
C'est très dirigiste, Pépite. Vraiment. Après, on va dire que c'est c'est le côté du jeu où beaucoup de personnes se plaignent sur le titre. Après, c'est très secondaire. Là, c'est vrai que parfois, ça arrive au premier plan. C'est rare vraiment quand te... Alors non, c'est pas si rare que ça. Genre, tu arrives pour résoudre les enquêtes. Mais tu passes pas 90% de ton temps là-dedans, tu vois. Tu viens, tu fais tes 2-3 petits trucs, tu poses tes petits post-it, etc. Et tu passes à autre chose. Après, oui, c'est... Merde ! Je pense qu'ils ont voulu simplifier la chose. Le seul moyen de partir, c'est de l'affronter. Wake parlait d'un cauchemar. Je dois plonger dans ce cauchemar pour pouvoir rentrer chez moi. Il y en a beaucoup qui me demandent à chaque fois en mode est-ce que genre ça met pas un point mort ou est-ce que tu vois genre ça ralentit pas un petit peu l'histoire, la trame scénaristique. Moi personnellement ça me met dedans parce que ça renforce ce côté immersif en mode tu es en train de faire une enquête sur le terrain, du coup tu prends des informations et tu viens dans ton espèce d'entre mental, le tableau où on est actuellement, pour tout poser à plat et essayer de résoudre des trucs pour avancer petit à petit, tu vois. Je trouve que ça colle trop bien en fait. Affaire classée. Hein? What the fuck? Il y en a beaucoup qui pensent que ça peut ternir leur expérience de jeu, tu vois, ce côté un petit peu... Saga, on se réveille. Non ! Regarde où on est. Oh. Le téléphone sonnait. Vous avez capté, les gars ? Instinct, je suis que c'était bon. Ah merde, il est plus ici. Les gars, tant Monsieur Porte, c'est un membre de notre famille. Regarde bien, c'est Monsieur Porte. Oh, ça tue, putain. Allô ? Oh ! C'est encore moi. Oh non. Vous devez atteindre la statue à Parliament Tower Plaza. C'est Alice ? Pour que votre fin se réalise, il vous faut le contenu de la boîte à chaussures. What? Quoi, ma faim? Une boîte? Qui êtes-vous? Elle n'est pas morte! Me dis pas qu'elle est rentrée dans l'entre-noir, frérot. Attendez, je suis en train de serrer, là. Oh là là, gros. Non! Kim! Agent Anderson? C'est vraiment vous? Désolé, cet endroit me joue des tours. Sheriff Breaker? Mais putain de merde! Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous avez fini dans l'entre-noir? On m'y a jeté. Kidnappé dans la morgue par un certain Warlin Port. J'essaie de reconstituer les pièces du puzzle depuis... Depuis un bail, je dirais. C'est qui ce Warlin Port? Il est là. Pas loin. Ça fait des années que je le vois dans mes rêves. Tout est complètement fou. Il est plus fort qu'il n'y paraît. Je crois qu'il est lié à tout ça. Je dois me rendre à Parliament Tower Plaza.
Est-ce que vous savez comment je peux y aller? Ici, c'est comme essayer de retrouver son chemin dans un rêve. J'ai essayé de faire un plan, mais il n'arrête pas de changer. On dirait que plusieurs versions du lieu se superposent. Mais il y a une page. Elle décrit Porte qui trouve son chemin dans cet endroit. J'ai tenté de faire comme lui, mais sans succès. Tim, je peux voir cette page? Bien sûr. En fait, c'est la page que j'ai tenté de vous donner à la morgue à Bright Falls. Maintenant que j'y pense, Porte m'a peut-être emmené ici pour vous empêcher de la lire. Tenez. Je vais continuer de chercher ce Porte. Plus j'approche du but, plus je me sens prêt de me réveiller. Il faut que je trouve celui qui tire les ficelles. Warlin Porte traversa les pavés glissants de pluie de Caldera Street Plaza. Il s'arrêta devant la porte du chantier. Il y avait une pub pour son émission. Il avança, souhaitant être amené à Parliament Tower Plaza. Je sais ce que je dois faire. La porte vers Parliament Tower Plaza était sur le chantier. Première fois que je vois une page sur Warlin Porte. Mais c'est qui ? Une porte séparant deux pièces se trouve dans chacune. Une porte qui peut mener n'importe où et partout. Cette porte n'est autre que le centre. Il contrôle les courants de la réalité. Avec tous les pouvoirs qui sont en jeu, difficile de savoir qui se joue de qui. Ça ouvre beaucoup trop de portes. Pour l'instant, on s'en fiche. Je m'y intéresserai plus tard. La page le décrit franchissant la porte. Comment je peux faire ça ? L'antre noir a de nombreux noms et autant d'apparences. C'est un miroir qui reflète toutes les réalités possibles. La famille Porte a la capacité d'évoluer entre ces réalités, ici et ailleurs. Si j'arrive à trouver comment évoluer dans ce cauchemar, je trouverai peut-être comment rentrer chez moi. Merci, Tim. Le chantier, les gars. La porte du chantier. Non, j'ai la tête qui va exploser, ma pépite. Je vais pas te mentir. J'essaye de rester focus. J'ai le cerveau en ébullition. Je me pose tellement de questions. Et j'imagine que je n'aurai pas de réponse. J'ai pas de lampe. J'ai pas de lampe, les gars. J'ai pas de lampe. Il me faut une lampe. Si, j'ai une lampe. Ok. Je suis en kiff complet de savoir que Saga est dans... Oh là là, les gars. Oh, mais t'imagines le délire? Franchement, c'était un projet qui apparemment revient de très 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 loin. Je le vois pas comme comment dire, comme tu l'as décrit en fait. Le mec a écrit la suite juste parce que les fans le demandaient. En vrai, Alan Wake 2 devait sortir il y a plus de 10 ans en arrière et ça s'est pas fait pour diverses raisons de ce que j'ai compris. Mais le projet a mis du temps à être fait parce que le studio apparemment était pas mal dans la merde aussi. C'est des titres qui se sont pas énormément vendus. Il y a eu énormément de problèmes par rapport à la licence qu'ils ont pu récupérer que très tard, parce que c'était une licence qui appartenait à Microsoft, qu'ils avaient laissé à Microsoft. Donc il y a eu beaucoup d'histoires par rapport à Alan Wake. Mais après Quantum Break qui a marché moyennement, et Control qui a vraiment
bien marché, même si je pense que ça n'a pas non plus explosé. Ils ont dû réussir à racheter en fait leur propre licence pour pouvoir faire la suite. Et moi personnellement, frérot, genre, je trouve qu'il y a de l'action, même si, ouais, c'est sûr, il n'y en a pas toutes les 30 secondes. Mais en-delà de ça, franchement, genre, vous le voyez depuis tout à l'heure, hein, on arrive quand même à avoir pas mal de fights. Il y a quand même ce côté enquête. Tu as aussi genre, cette histoire qui est très prononcée. La narration est vraiment folle. Les personnages sont super bien faits, super attachants. L'ambiance générale sur le titre est folle. Moi, franchement, genre, je vois pas pourquoi. Après, encore une fois, bon, les gens se plaignent. Toujours, les gens se plaindront, frérot. Moi, personnellement, le premier, je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci, gros, ça va au-delà de ce que j'espérais pour, ce que, pour une suite, tu vois. Après, c'est mon goût, c'est mon avis perso. Peut-être que certains sont déçus. Écoute, c'est comme ça, gros. Ils joueront à autre chose et basta, frère, tu vois. Donc, c'était pas là du tout. Attends, par contre, je suis passé par le... J'ai réussi. Je dois remonter sur la rue et trouver cette statue. Comment ça, t'as réussi? T'as réussi à faire quoi? On a fait quoi? Ouais, il y a eu beaucoup de déboires par rapport au studio, mon frérot. Et c'est une histoire qui revient de assez loin, en vrai. Et en termes de scénario, mon roi, je vais pas te mentir, c'est un bouquin. C'est vraiment un bouquin, frérot. Là, genre, t'es vraiment dans un truc, on dirait que c'est un truc de Stephen King, tu vois. Et même eux, ils le citent dans le tout premier Alan Wake. C'est vraiment, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tu me sors le bouquin Alan Wake 2. Tu vois, comme le scénario est fait, ce genre de truc, tu vois, les embranchements et tout. Frérot, ça, je l'achète direct. Je m'attendais à rien, c'est devenu ma pépite cette année. Non, mais clairement, frérot, je... Tu m'as laissé noyer. Ça suffit maintenant. Tu vois ce que je veux te dire, frérot? Après, je peux comprendre que des gens sont en désaccord complet et tout. Chacun, c'est... À ses goûts. Il y a toujours ce stress, tu vois, quand tu vois une ombre. Tu sais pas si elle est réellement là ou pas du tout. Qu'elle peut t'attaquer ou pas. Regarde les déplacements du personnage. Comment il se positionne et tout. Genre, tu vois, il y a toujours ce stress permanent et tout. Moi, franchement, je... Lui, il est réel. Non. La boîte à chaussures. Le rupteur. Et une espèce de balle illuminée. La voix au téléphone m'a dit que je trouverais ce que je cherchais dans la boîte. Comment le rupteur est-il arrivé ici depuis Washington? Mais les gars, la statue, c'est Alice. Depuis le début, j'avais même pas capté. Qui est réel. Ça sonne encore. Tu le vois cet inventaire? Est-ce que tu le vois cet inventaire, Snake? Tu le vois cet inventaire, frérot? C'est quoi ce bruit? J'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. Un bouquin dont tu es le héros.
pas, mais vous devez m'écouter. Attendez, comment vous saviez que le rupteur serait là? C'est très important. Alan est perdu. Il n'a pas la fin de l'histoire. Il a besoin de vous pour la terminer. Et comment je suis censée l'aider d'ici? Pour info, l'auteur, c'est ton coéquipier? Ok. Comment ça? J'ai pas compris, Zog, ce que tu veux dire. Wake est à Washington. J'ai déjà pu lui parler via les amalgames. Mon entre-mental est plus puissant que je ne l'aurais cru. Je peux tenter de le contacter. Via le profilage? Alan. Il faut qu'on parle de la fin de l'histoire. Saga? Qu'est-ce que c'est? Mon entre-mental. Je vous ai déjà contacté comme ça. Mais je comprends mieux comment marche ce lieu. Vous avez des visions aussi? Je les prenais pour des idées, de l'inspiration, mais c'est réel. Tout comme ce lieu. J'ai tenté de m'en servir pour que l'histoire prenne forme. Alors c'est nous qui produisons ça. Ça peut nous aider à communiquer dans les amalgames. Et surtout à arrêter Grincement. D'abord, il me faut une fin. Il y a un problème avec la fin? Je n'ai pas encore de fin. Il faut qu'elle soit parfaite, mais je n'ai pas le temps de la déterminer. Je sais pas ce que je dois faire. Merde. Je suis désolé. C'est un véritable merdier. Je suis d'accord. Mais on peut encore s'en sortir. Pourquoi avez-vous dit parfaite? Les éléments de la fin doivent provenir de parties préexistantes de l'histoire. Et pour couronner le tout, c'est une histoire horrifique. Ah, tu parles de Casey? Oui, bien sûr, je sais que c'est mon coéquipier. Inutile de le préciser, je l'avais remarqué. N'est-ce pas? Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Il doit y avoir un moyen d'ajouter une figure héroïque. Et s'il y a un héros, il doit en général payer le prix. Eh ouais, on le sait. Logan et Casey doivent survivre. Non, mais dis pas qu'ils vont faire ça, s'il vous plaît. Je laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ce sont des innocents. Il faut qu'ils survivent. C'est pas négociable. Il n'y a pas qu'eux. Il faut tenter de sauver tout le monde. J'ai peut-être une idée pour aider Casey. C'est une vraie personne que j'ai transformée en personnage. Ce n'est pas ma création, il n'est donc pas adapté pour accueillir l'ombre noire. Je peux ajouter ça à ma fin pour que cette ordure sorte de son corps. Des bisous, mon frérot. Bon courage pour demain. Merci, merci infiniment. Prends soin de toi, Rosé. Merci, Ro. Non, Casey n'est pas mort. Casey n'est pas mort. Casey est possédé, bro. Ils appellent ça de la possession, tu vois, genre... Il est possédé par l'ombre noire. Il n'est pas mort. Il faut donc mériter la fin, définie par l'histoire. Impossible de monter un dossier sans preuve tangible. C'est la seule façon pour que ça tienne. Comment on voit la fin? Si la fin doit correspondre à l'histoire, voilà comment je l'imagine. Return est l'histoire d'une histoire qui devient réalité. Je suis un personnage de l'intrigue. Vous êtes bien plus que ça. L'héroïne. Bon, d'accord, l'héroïne. Dans tous les cas, j'ai morflé pour venir ici. On parle de ma vie. Je crois que j'ai mérité d'aller au-delà de l'histoire pour pouvoir en créer la fin. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire, maintenant. On essaie d'élaborer la fin que je dois écrire. Oh mais putain, on n'a pas avancé. Ce n'est pas celle de Grincement. Mais ce n'est pas la vôtre non plus.
J'avoue, Snake. Cette fin, c'est la nôtre. Vous n'êtes plus le seul à décider de toute cette histoire. C'est vrai. Je ne peux pas faire ça seul. À chaque fois que j'écris, les choses dégénèrent. Vous avez vaincu cette chose en 2010, Alan. Et vous êtes là à reprendre le combat. Vous êtes un héros, vous aussi. On doit faire ça ensemble. Alors c'est parti. Impossible, impossible, Azog. Ils ont vendu la licence à Take-Two. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de Max Payne 3 par Remedy. Max Payne 3 a été fait du coup par Rockstar. La fin devra être sombre. C'est important. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros paiera le prix fort. Ou l'un des héros. L'équilibre doit toujours être fait. Eh merde. Allez, on fonce. Vous êtes sûr? Le temps presse et on ne peut pas faire mieux. Grincement peut surgir à tout moment. Alors c'est notre fin. Je détiens le rupteur. Je vais me débrouiller pour vous le donner. Et je vais m'occuper de ces pages. Rendez-vous de l'autre côté. Rivaille, comment va la pépite? Tu avances? Alors, toujours en mode, ouais, le jeu c'est du caca ou ça va un peu mieux? Je dois revenir sur mes pas jusqu'à Caldera Street Plaza. J'ai rejoint l'entre-noir via la fontaine. Je peux peut-être en sortir par là. La fontaine? On peut rejoindre Caldera Plaza par le métro. Je dois faire vite. Non, je sais, mais tu m'as compris, Rivaille. Je sais que tu n'arrivais pas à rentrer dedans le titre, etc. Et c'était quelque chose qui te gênait un peu. Mais avec un peu d'obstination et tu es à fond dedans. Ça fait plaisir à lire, frérot. Ça fait plaisir à lire. Mais il se passait quoi là les gars? Je suis mort. Je suis mort les gars, je suis mort. Les ténèbres sont en marche. Panique à fond. Oh dommage gros, j'ai paniqué frérot. En vrai tu sais quoi, j'avais rien dans les raccourcis, ça m'a... Wow. Ça m'a mis pas bien gros, ça m'a mis pas bien de ouf, j'étais pas bien, j'étais en panique, tu vois, tout à l'heure ça parlait des fights, encore une fois je trouve que ouais il y a peut-être moins de fights que dans le premier, même si il y en a quand même pas mal, hein. Mais ils sont plus intenses. On peut rejoindre Caldera Plaza par le métro, je dois faire vite. Si je les avais, putain, ok. Raccourci. J'ai toujours pas utilisé la grue. Hein. Toujours pas. Et là, il est en 4. La fontaine de Caldera Plaza pourrait être l'issue. Mais c'est ce qu'il faut faire. Hein.
Mais tu as raison, Pépite. C'est ce qu'il faut faire, frérot. Tourne, tourne, tourne. Donc j'ai mis la trousse de soins. Attention. Ok. Oh, la grue, comment elle a fait le taf. Ouais, tu as vu comment ils sont les fights, frérot. Genre c'est deux fois plus intense que dans le premier où tu avais genre deux coups de lumière et tout. J'ai plus de balles. Par contre, vous l'avez remarqué, hein, genre le gun d'Alan Wake fait beaucoup plus de dégâts que celui de Saga. On est sur une espèce de magnum un petit peu genre avec Alan alors qu'elle elle a 9 mm, je suis obligé de mettre genre 5 balles tu vois dans la tête pour qu'il meure. Holy shit. Il se passe quoi là? Alan? Saga, je l'ai terminé. Ah, il est tellement belle, dont on a parlé. J'ai le rupteur et la balle de lumière. J'aime bien. Finissons-en. C'est à moi de m'en charger. J'ai l'impression de vivre une histoire sans fin. D'accord. C'est ici qu'elle prend fin, cette obscurité. Ce qui dort sous la surface se meut. Un jeu d'ombre qui attire mon regard et plonge mon visage dans l'eau. Il est ici. Elle est terriblement glacée. Sous le miroir de la surface. Je pourrais voir. Casey? Grincement! Vas-y! Cette lumière crue et brûlante perça de son éclair les ombres et révéla l'horreur cachée en leur sein. En cet instant de silence, le message murmuré fut enfin entendu. Allez, qu'est-ce que t'en parles ? Allez ! Reviens ! Et s'il n'y avait rien à révéler, le jeu d'ombre nous a tous bernés. Un subterfuge pour nous soutirer un prix d'entrée. Les ténèbres n'étaient pas un monstre. Elles étaient le néant. Nous voilà bien avancés, sans réponse, sans vérité. Le héros regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit le détruit et le délivre. Selon Saga, nous sommes tous deux des héros. J'en paierai le prix. Elle aussi. Nous sommes ici pour tuer le monstre. Je prie qu'après il n'y ait plus rien. Rien que le sommeil. C'est ainsi que l'on gagne. Est-ce trop facile? Et si c'était toujours l'antre noir? Un autre rêve dont il faut s'extirper. Toujours être renvoyé au commencement. Le souvenir de ce qui s'est passé, consumé par cette abominable prise de conscience, c'est peut-être une chance d'oublier, de ne rien savoir de ces boucles qui nous ramènent à... Me dis pas ça, frérot. Me dis pas qu'elle a tué Alan Wake, frérot, pour terminer l'histoire. Non, ils vont nous laisser dans le... Non, ils nous ont fait une Inception. Non, les fils de... Oh putain, les gars, j'ai fait... L'équipe, j'ai fait le platine sur le jeu.
What the fuck? Putain, mais non, il y a trop de questions! C'est pas possible, les gars. Je veux pas. Ce jeu est une fraude. Non. Ça peut pas se terminer comme ça. Tu peux pas. Il y a deux DLC qui doivent arriver, Sam. Et le New Game Plus qui doit arriver aussi devrait donner normalement des un bout de scénario différent. Holy shit, putain. Pas comme ça, les gars. Mais du coup, c'est qui, Monsieur Porte? C'est un peu bon, je reviens sur Matrix, mais Monsieur Porte m'a fait beaucoup penser à, tu sais, le concepteur dans Matrix. Tu vois, le blanc barbu qui conçoit la matrice, ce genre de choses. J'ai l'impression que le Monsieur Porte ressemble vachement à ce personnage. Je sais pas si vous voyez un petit peu le délire. Et on peut pas terminer sur Alan Wake 2 comme ça. C'est pas possible, frère. Creative Director Sam Lake. On peut pas terminer le jeu comme ça. Non, les gars. S'il vous plaît. On sait pas, Zog. On sait pas. Mais clairement, bien sûr que ça peut faire partie du truc, il le dit lui-même à la fin. Est-ce que en vrai, depuis le début, il est encore dans l'entre-noir? Ouais, j'adore ce genre de fin. On est dans un délire un peu Inception. Où à la fin d'Inception, la toupie, tu sais pas si elle s'arrête de tourner ou si elle tourne toujours, tu vois. Et ils nous ont fait exactement la même. C'est fort, c'est très très fort. On sait pas si Logan va répondre au téléphone. Ou pas, tu vois. Et genre ça laisse le joueur genre faire sa propre interprétation. Jusqu'à ce que peut-être il y ait une annonce pour le 3, si ça se fait un jour. Mais frérot, le jeu vient à peine de sortir. J'ai déjà envie de dévorer la suite du livre, tu vois. Et oh, je veux la suite. Bon, que dire de ces images qui se superposent. Je l'ai dit au moins 25 000 fois sur le jeu, mais j'adore ça. L'ambiance, la colorimétrie des personnages, les... Les gars, genre l'histoire. Oh là là. Alice. Cette partie est pour toi. Quand les visites ont commencé, j'ai pris contact avec une organisation qui enquêtait toujours sur ce qui est arrivé à Bright Falls. Contrôle. Je me suis rendu à leur bureau. Et une chose s'est produite là-bas. En rentrant à la maison, j'avais soudain retrouvé mes souvenirs. Je me suis souvenu être resté piégé dans ce lac. Cet océan, si sombre, où résonnait l'écho de moi-même, de mes peurs, de mes photos, dans ces flots noirs et déments, les mêmes événements et images passant encore et encore. Puis j'ai vu une lumière. C'était la tienne. Tu as plongé alors que moi je sortais. Tu ne t'es pas noyé. Et tu es toujours là, tu m'appelles. C'est ça, toutes ces visites. J'arrive à te voir parce que j'y étais aussi. J'ai choisi de revenir dans l'entre-noir.
C'est pour ça que j'ai monté cette exposition. Je devais t'induire en erreur pour réussir à te faire aller là où tu devais être. La seule façon de quitter ta boucle, c'est la destruction ou l'ascension. Ombre ou lumière. Je crois que le côté destruction, on l'a assez écumé. Et l'ascension, on l'atteindra petit à petit. Ici, le temps ne signifie rien. Tu vas encore devoir traverser la boucle. Mais je vais continuer à te montrer les images que tu dois voir. La lumière que tu dois voir. Jusqu'à ce que tu sois prêt. Alan. Je crois qu'on y est presque. C'est bien ce qui me semblait, les gars. Oh! C'est pas une boucle. C'est une spirale. Non! Nous l'aurons faite. Alors en fait, quand les gens ont dit qu'elle s'était suicidée, on avait vu le bout en fait de où elle a sauté. Ça ressemblait étrangement du même endroit où a sauté Alan Wake dans le premier épisode, avant de rejoindre l'entre-noir. Gros. Oh là là les gars. Oh ce jeu. Mais tout ça, mais tout ça n'a jamais existé les gars. Attendez là. On n'est jamais sorti de l'entre-noir en fait. Quoi? Ça explique tout. Comment ça explique tout? Non, par contre, l'équipe, c'est pas une putain de preuve d'amour. Genre, c'est pas la plus belle preuve d'amour ce qu'elle fait Alice là. Genre, c'est magnifique. Ah, ce jeu, les gars. Ah, ce jeu. Non, je vois ce que tu veux dire, en fait. C'est pas une relation... Je pense que... C'est pas une question d'amour. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je vois que, en fait, l'ombre noire qui réside dans l'entre-noir aime beaucoup, en fait, Zane et Alan Wake, dans le sens où, genre... elle veut se servir de eux pour justement en fait sortir et aller dans leur monde pour instaurer l'obscurité, tu vois, je te dis, partout dans le monde. Donc oui, je pense que d'un côté, genre, c'est pas de l'amour, mais genre, elle se sert de lui, tu vois. Tu as vu mon com, j'étais fou, tu avais le jeu en espagnol. T'es motif, frérot. J'ai kiffé le jeu, c'est vrai, Sam? Ça fait tarpin plaisir, mon frérot. Ouais, c'est une putain de relation toxique. Par contre, Alice qui revient dans l'entre-noir pour sauver son mec. Attendez les gars, j'écoute le son, là, je suis pas bien. On n'en parle pas des musiques, hein. Incroyable les sons. Waouh, le délire ce jeu, putain, je m'attendais pas du tout à ça. Oh. J'ai tellement envie que le jeu il casse tout. Vraiment les gars, genre, j'ai vraiment envie que le jeu il casse tout, s'il vous plaît là. Il faut que, tu vois, genre, il perce fort. J'en ai aucune idée. C'est vrai que c'est une très très bonne question. J'aurais pensé qu'ils auraient incorporé du coup, je m'en rappelle plus, la meuf de Control.
J'ai pas fait les DLC du coup de contrôle, je peux pas te dire comment ça se termine, tu vois, réellement. Par contre, je l'ai trouvé vraiment chacha, là, l'agent là, de contrôle qui était dans la Wake 2. C'était vraiment joli. La musique, elle colle tellement bien au final, gros. Je vois plutôt bien le comment, du pourquoi et où ça va. Et franchement, j'aime bien. Toi qui écris pas mal, Sandrique, ça t'a plu? Tu as trouvé ça, ça va, pas trop tiré par les cheveux Ouais, moi aussi, Sam. Bah, Sam. Je vais pas dire que... Ouais, non, c'est trop frais. C'est trop frais, les gars. Genre, c'est trop frais pour que je dise quoi que ce soit. Ok, j'ai juste à peine de terminer le jeu. Je suis en transe complet. C'est rare. C'est très, très, très rare. L'acteur qui incarne... qui joue Alan Wake. Ouais, tous les acteurs, hein. Franchement, genre tous les acteurs, le choix du casting, même les frères là, même les frères, genre stylé, vraiment stylé. Putain d'aventure, quoi. Genre, ça me fait mal, les gars, c'est terminé. C'est le genre d'aventure que t'as envie que ça dure pendant des mois et des mois, tu vois. Que la boucle continue. La spirale, quoi. Ce n'est pas une boucle, c'est une spirale. Incroyable. Ils ont réussi à nous glisser. Oh là là, la musique, les gars. Ça fait tellement plaisir de partager ce genre d'aventure avec vous, l'équipe. Genre, c'est pour... Vraiment... C'est pour ce genre de jeu. C'est pour ce genre de jeu, les gars. Que genre, je me suis lancé sur Twitch. Vraiment. Tu vois, je te dis. C'est une aventure, frère. C'est incroyable, j'adore. Et c'est pour ça que je continue comme un dindin depuis des années à essayer de vous faire découvrir des titres. Parce qu'il y en a vraiment, genre, autant il y en a, genre, tu passes vite à côté. Autant il y en a, gros, tu les fais, tu ressens des trucs de fou, frère. Tu ressens des trucs de fou. Non, mais c'est vrai, les gars. C'est vrai, genre. C'est pour ce genre de jeu, en fait, tu vois. Genre que j'aime vivre, j'aime... vivre des aventures sur Twitch pour ce genre de titre. C'est tellement stylé de vivre ça à plusieurs, frérot. J'étais en train de m'imaginer, là, en fait, cette fin, solo, dans mon canapé, ou, tu vois, dans mon pieu, en train d'y jouer. Ok, c'était cool et tout, mais de partager ça avec des gens, tu vois. C'est grave stylé, c'est ce qui fait la force de Twitch, tu vois, genre, du streaming. Je trouve ça tellement stylé qu'on partage tout ça ensemble.
T'as un truc de fou. C'est une spirale qui a donc un point, un début, un point de début et de fin. J'aurais trouvé intéressant que la vraie fin, ça soit au bout de la deuxième ou troisième ou NG+, ça m'aurait troué le cul. Mais qui te dit que ce n'est pas le cas, Sandrika ? Qui te dit qu'en vrai, il n'y aura pas de Alan Wake 3, mais juste en vrai, genre avec la fin du New Game Plus, qui est un truc différent ou... Parce qu'apparemment, en plus, il va avoir des un scénario un petit peu différent de ce que j'ai compris. Donc, frérot... Et s'ils n'ont pas sorti le NG+ maintenant, c'est qu'à mon avis, ça doit peaufiner sec certaines... au niveau de certaines trames ou quoi. Moi, j'aimerais juste vraiment l'équipe qui sorte un patch pour régler ce problème de localisation. En vérité, je suis quand même content. On a dû avoir, allez, 4 lignes de dialogue, 5 lignes de dialogue en anglais sur le jeu. Ça n'a pas été non plus genre si choquant que ça. Mais pour être vraiment dans l'immersion... Tu vois, genre, en plus, moi, j'aime trop, les gars, genre, jouer sans ATH et tout. Vous avez vu le truc, c'était vraiment un film, frérot, hein, ça me régale. L'optimisation aussi, ouais, c'est vrai. Oh, les gars, je joue sur une 2080 Ti, hein, au cas où. J'ai pas un PC de fou furieux. Je suis en DLSS avec pas mal de bidouillage. Et je suis en équilibré. Et franchement, genre, ça va, il y avait quelques lags. Ah, moi aussi, ça me... Ah ouais, je me sens fort, ouais. De ce que je n'ai pas su... attends, comment ça... Starfield m'a fait détruire un clavier. Comment ça, Sandrika? La fin, elle t'a trop mal en espagnol. Mais t'imagines, frérot, d'un coup, ça parle en japonais. Oh, la fin. Tiens, gros, il m'a terminé. Je me dis, la fin, je l'ai eu en espagnol. Après, c'est beau, l'espagnol, frérot. C'est un peu mou l'espagnol. Oui, je suis d'accord avec toi, Zog. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, genre, vraiment là, c'est vraiment comme Inception. Et genre, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, en fait, pour Inception. Tu vois, Christopher Nolan n'a jamais dit « Oui, en fait, il était dans un rêve, quoi, il était dans une... » Non, on ne sait pas. Et est-ce qu'ils ont voulu faire le même procédé pour que justement encore aujourd'hui, quoi, demain et dans 10 ans, on en parle encore? Ça, c'est possible aussi. Hein. Ça, c'est possible, frérot. T'as une 3090? Tu la vendrais pas, frérot? La main sortie du jeu, hein. Je me disais, tu branles quoi, là, Alice, là? Ti amo. Ben j'imagine. Mais t'avais pas les sous-titres en plus. Je m'attendais à avoir une vraie fin sur Starfield en NG+, avec une révélation de ouf. Et il n'y avait rien. Ça m'a fait péter un plan. Ah ouais, c'est vrai, Sandrika? Ah ouais, d'accord, je te voyais pas comme ça, nerveux, à ce point, ma pépite. Non, j'ai que ça. Mais garde-la, mon frérot, tu as bien raison. Ouais, une fois que j'ai réussi à m'acheter ma petite voiture là, je pense que ouais, d'ici l'année prochaine, j'essaierai de mettre un petit peu à gauche pour essayer de me prendre un nouveau setup là, ça serait vraiment stylé. Tu sais que je songe de plus en plus à me faire un setup canap. Parce que moi, tu as vu, genre, je suis dans mon studio, genre, j'ai le lit, il est vraiment à deux bras du bureau. Je suis en train de me dire, tu sais, je voyais plein de gens en mode canap pour jouer à des jeux et tout, ça pourrait être stylé en vrai. Là, c'est le coup que, en vrai, genre, je joue à 15h un jeu, je m'endors direct hein, dans le lit. Ça, c'est un mauvais plan par contre. Graffiti artist, putain, bien ça, les gars. Putain, tous les détails, c'est vrai, au niveau des graffitis, des couches de superposition de... Gros, c'est... Oh là là. Ah merde, putain, on peut... Y'a plus rien, là, de toute façon, les gars? Je ne pense pas, hein. On parle depuis 15 minutes, du coup.
En gros, si je dois changer, c'est juste un nouveau CPU. Ouais, mais moi aussi, bah, le problème, c'est que c'est ça, en fait. J'aimerais me prendre, tu sais, les dernières cartes graphiques. Et je sais que après, il n'y a rien qui va suivre, donc... ouais, ça partirait sur un nouveau PC, quoi. Malheureusement. Oh, cette musique. Eh, malheureusement, mon frérot. Oh, le petit mot des développeurs. J'aime trop ça. Ils font de plus en plus, hein, j'ai l'impression. Ou peut-être qu'on regarde de plus en plus les crédits. Ça fait très très peur pour la suite, hein, pour Bethesda. On en a déjà parlé, Sandrick, mais... Choupi, avec le petit cœur. Trop mignon. Tu es incroyable. Non, c'est trop beau. Tu es ma lumière dans les ténèbres. I love you. Non, c'est trop beau, le petit mot. Sa mère et tout. Ah, il y en a un qui a parlé du FBC dedans. Putain, j'ai pas vu. Oh non, c'était méta de fou. Genre un dev qui fait des remerciements en mentionnant le FBC. Ah, on en parlera, ça, on en parlera, Snake. En temps et en heure, quand j'aurai au moins 2 500 € de côté, voire plus. Ce qui n'est pas le cas. Avec grand plaisir. Et merci de m'avoir accompagné. Tout au long de cette aventure, Sam, merci infiniment. Oh, et le moteur de Remedy, Northlight, incroyable. Ils ont bien fait de ne pas prendre le moteur de Unreal Engine. Franchement, genre, ils auraient pu, hein. Non, le petit message pour Lunstrigic. Brett Maiden, Sammy, Panatalo, je connais pas du tout. The journey throws, the night continues. The end, pour de vrai. Et on va se retrouver dans les menus. Finito, les gars.